Assalamu alaikum. Peace be upon you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah. Au nom de Dieu. God most gracious. Le clément, le miséricordieux. Brothers and sisters. Chers frères et sœurs. And friends. Chers amis. I will give you the format today. Nous allons vous donner la marche à suivre aujourd'hui. Premièrement, la parole sera donnée au révérend Jimmy Swaggart pendant 30 minutes. Ensuite, le frère Ahmed Didat interviendra pour une durée de 40 minutes. Puis, le révérend Swaggart reprendra la parole pour conclure en 10 minutes. Nous pensons que cette répartition qui a obtenu l'aval des deux parties est juste et équitable. Après cela, vous aurez l'occasion de poser vos questions pour lesquelles nous avons consacré une heure. Le sujet est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Que le Seigneur nous bénisse tous, musulmans et chrétiens, et nous guide dans le droit chemin. Je laisse la parole au révérend Jimmy Swaggart. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et bien que ce débat soit organisé par nos amis musulmans, nous sommes honorés de recevoir dans notre ville l'éminent théologien Ahmed Didat. Je viens de faire la connaissance de M. Didat cet après-midi. En fait, on s'est rencontrés ce soir pendant quelques minutes. Et je dois dire qu'il fait partie de ces hommes qui inspirent immédiatement l'amitié et la sympathie. Et je demande à tous les chrétiens ici présents, et naturellement, les musulmans le feront également, et j'espère que ce laps de temps ne sera pas déduit des 30 minutes qui me sont allouées, je leur demande d'accueillir M. Didat à bras ouverts dans notre ville. Et de lui témoigner toute notre amitié. M. Didat est un savant en sciences religieuses, alors que moi, bien que passionné d'études bibliques, je ne me considère pas comme un spécialiste de la Bible. Avant de venir ici, M. Didat plaisantait avec moi et ma femme. Il disait que l'islam permet 4 épouses. Puis, rectifiant, il ajouta « jusqu'à 4 épouses ». Et je répondis « bien, monsieur Didat, le christianisme n'en autorise qu'une et pour cela je chasse la meilleure du premier coup ». C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir et je suis enchanté d'avoir l'opportunité de parler, quoique sommairement, de ce que nous croyons être la parole de Dieu Tout-Puissant. Avant d'aborder le sujet du débat, je tiens à signaler que je ne sais pas grand-chose de l'islam. Et je le dis avec humilité et modestie. Ces derniers mois, j'ai consacré quelque temps à l'étude de l'islam, mais je dois avouer que ce que j'ai appris est superficiel. Dans le passé, il y a environ 2 ans, je crois, j'ai tenu à la télévision des propos désobligeants sur le Coran. Si vous ne m'aviez pas entendu à l'époque, alors je ne vous dévoilerai rien de cela. Mais je m'en excuse, cela ne s'est pas reproduit depuis et ne se reproduira plus jamais. Ce fut de ma part une conduite inconvenante.
Puis, comme je vous le disais, j'ai étudié un peu l'islam et appris que les musulmans sont les gens les plus généreux et les plus tolérants au monde et qu'ils se dévouent entièrement à leur foi, ce qui ne diminue en rien leur valeur. Et comme vient de le souligner l'animateur du débat, l'islam et le christianisme sont les religions les plus influentes de notre époque. Et j'ajoute que tout chrétien sincère aime les musulmans, et je le dis de tout mon cœur. Peu à peu, j'ai appris à respecter le Coran, à respecter les musulmans, mais je ne crois pas que le Coran est la parole de Dieu. Je ne crois pas que Mohammed est un prophète de Dieu. Mais cependant, je respecte vos croyances, je respecte votre foi et je respecte votre dévouement. J'ai brandi cette Bible ou une autre comme celle-là devant un grand nombre de téléspectateurs et je suis certain que la majorité d'entre vous m'a vu le faire. Je l'ai fait sur les écrans de télévision dans 140 pays et je proclamais, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est la seule et unique parole de Dieu et l'homme vit et meurt par ce livre et je le crois profondément. Certes, cette affirmation peut sembler gratuite, et en réalité, ces propos ne valent rien. Mais ce soir, je voudrais commencer par citer une parole du Livre Saint, une parole que M. Didat pourrait contester d'une manière ou d'une autre, mais qui revêt une importance extrême pour les chrétiens. Elle est extraite de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui envoya son Fils unique. » J'ai trompé votre vigilance, Monsieur Didat. « Pour que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce texte servira de base à mon discours de ce soir. Et je souhaite que nous courbions tous la tête et demandions à Dieu de bénir notre action. Notre Père qui es aux cieux, nous nous en remettons à vous. Aidez-nous tous présents en ce lieu à nous maîtriser de la manière que je souhaite par votre soutien et votre miséricorde et de la façon qui vous donne satisfaction. Et pour que chaque parole que nous disions à votre louange et votre glorification obtienne votre satisfaction, et soit exprimé à votre satisfaction. Je vous le demande au nom de notre cher Jésus-Christ. Il n'existe pas un seul chrétien au monde qui puisse prétendre que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible. Pour être sincère avec vous, je dirais qu'à ma connaissance, les seuls textes révélés que Dieu a écrits sont les 10 commandements gravés sur les tablettes pour Moïse. Puis ces tablettes furent gardées durant des siècles dans l'Arche d'Alliance. Mais Dieu n'a jamais écrit sa parole. La Bible composée de plusieurs livres, fut rédigée par l'homme, par une inspiration du Saint-Esprit, comme le rapporte Simon-Pierre. Simon-Pierre dit que les plus pieux des hommes procédèrent à l'écriture lorsque Dieu les y a incités et leur a prêté assistance pour transcrire ce qui émanait de lui. Le Seigneur a utilisé leur personne, leur personnalité, leur dévouement et parfois leur faculté individuelle
pour l'accomplissement de cette tâche. Mais Dieu les a utilisés pour que sa volonté et son règne sur la terre et sur toute l'humanité soient transmis dans une langue simple, entendue et comprise par l'homme. Aucun texte au monde n'a fait l'objet d'autant de commentaires et d'études. Je ressens mon impuissance en venant vous parler de la Bible, alors que plusieurs savants des plus éminents ont maintes et maintes fois disséqué chacun de ces textes, dépensant pour cela un temps précieux et des efforts gigantesques pour vérifier qu'il est bien la parole de Dieu. J'ai lu la Bible d'innombrables fois. D'autres en ont fait autant qui me sont supérieurs en érudition et qui connaissent l'hébreu et le grec. Les premiers textes de la Bible, rédigés il y a environ 3500 ans, représentent à ma connaissance les plus anciennes écritures révélées sur la terre. Nous croyons que Moïse a écrit ce qu'on appelle les cinq premiers livres à l'exclusion des derniers psaumes, peu nombreux, et du livre du Deutéronome. Et il se peut qu'il ait écrit ces derniers textes également parce que je crois, et l'islam croit aussi, que Dieu est tellement puissant qu'il pouvait révéler à Moïse la manière exacte dont il devait mourir, et même la forme de ses funérailles. Ceci est dans le pouvoir de Dieu. Et quoi qu'il en soit, que les textes sacrés aient été écrits par lui ou par Josué, l'essentiel est qu'ils furent rédigés il y a 3500 ans environ. Et la parole de Dieu, comme doivent le savoir plusieurs d'entre vous, fut fixée par écrit par 40 hommes pendant une période s'étendant de 1600 à 1800 environ. Et quant au dernier livre, il fut écrit 100 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, par Jean l'apôtre. Maintenant, comme je viens de le souligner, il a fait l'objet d'études et de recherches critiques minutieuses et approfondies, plus que tout autre livre au monde. Et il est très intéressant de savoir que Youssef Ali, dans sa traduction anglaise très répandue du Coran, cite deux fois Sir Frederick Kenyon en tant que référence faisant autorité en la matière. Kenyon, qui occupait officiellement le poste de secrétaire du musée britannique, est considéré comme l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancien Testament. Et je le répète, Kenyon est l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancien Testament. Or, s'agissant de l'authenticité des textes bibliques, il affirme que le chrétien peut tenir la Bible en entier entre ses mains et proclamer sans crainte ni hésitation qu'il porte dans ses mains la parole de Dieu. En ce qui concerne Jésus-Christ, Simon Greenleaf, professeur à l'université de Harvard, à qui on doit avec Joseph Story, magistrat à la haute cour, le rayonnement prestigieux de ladite université, a renié son athéisme un mois seulement après avoir effectué des recherches approfondies et des recherches ardues. Et Greenleaf, que l'on considère comme le meilleur spécialiste américain dans le domaine juridique, fut conduit par la logique, après une étude critique poussée, à admettre que l'authenticité des faits historiques relatifs à la mort, la mise au tombeau et la résurrection du Sauveur Fils de Dieu pour la rédemption de nos péchés est attestée par des preuves irréfutables. Et ce témoignage émane d'un des plus brillants juristes du monde. Et de son côté, Thomas Arnold, professeur d'histoire contemporaine à Oxford, écrit « Pendant de longues années, j'ai étudié les autres époques, examinant leur authenticité.
vérifiant les preuves fournies sur les personnes qui y sont mentionnées. Et je n'ai trouvé dans l'histoire humaine qu'une seule vérité qui ait été établie par toutes sortes de preuves, et solide et exhaustive, à la satisfaction du chercheur équitable, c'est celle du miracle divin représenté par la mort et la résurrection du Christ, annoncée par la parole du Seigneur. Aucune autre personne n'a dit qu'il allait mourir et ressusciter comme l'avait prédit le Christ. Maintenant, je voudrais aborder la question relative à la prétendue multitude des récits bibliques. Il est inexact de dire qu'il y a plusieurs versions de la Bible, il n'existe qu'une seule version du Livre Saint. Par contre, on trouve un grand nombre de traductions qui donnent lieu à d'incessants débats entre les spécialistes. La version du roi James, et c'est le terme que nous utilisons comme je l'ai utilisé de façon erronée, est une traduction parmi d'autres qui ne sont que des versions revues et corrigées de celles-ci. Des efforts considérables et ininterrompus furent déployés pour traduire l'Ancien Testament de l'hébreu, qui, à l'exclusion de certains textes araméens, a servi à l'écriture des textes bibliques et pour traduire l'Ancien Testament du grec. Mais certaines traductions ne sont pas fidèles à mon avis, et pour ma part, je préfère la traduction du roi James. Quoi qu'il en soit, le Coran est également traduit en plusieurs langues. Et il existe différentes traductions anglaises du Coran, y compris en Afrique du Sud. Monsieur Didat peut rectifier si ce que je dis est inexact. En 1978, je crois, une traduction du Coran a suscité une telle polémique que certains avaient réclamé son retrait de la vente. Les spécialistes du Coran ont dû affronter le même problème pour la traduction des textes coraniques dans une autre langue, comme ce fut le cas pour le christianisme. Et cette tâche n'est pas facile, et dans certaines langues, on ne trouve même pas de termes aptes à exprimer ce qu'ils doivent traduire. Et pour cela, il est extrêmement difficile, dans certains cas, de trouver le terme qui désigne exactement ce qui est rédigé en ancien hébreu ou en ancien grec. Rien que pour le Nouveau Testament, il y a près de 24 000 manuscrits de la parole divine qui sont apparus 350 ans après Jésus-Christ. Alors que le manuscrit primitif est inexistant. Et comme je viens de le souligner, le texte original fut rédigé sur des peaux d'animaux ou sur des tablettes d'argile il y a environ 3500 ans. Mais il a disparu à force d'usage et parce qu'il avait été écrit sur des matières qui ne pouvaient résister à l'œuvre du temps pendant tous ces siècles. Mais il n'en demeure pas moins que 24 000 manuscrits furent produits. Et selon les principes scientifiques relatifs aux Écritures anciennes, il suffit, à défaut de l'original, de 10 copies pour établir l'existence du texte primitif. Et quand on pense que nous disposons de 24 000 manuscrits, qui, il est vrai, présentent quelques discordances, c'est que l'essence n'a pas subi d'altération, et c'est ça l'important. Et il y a certains livres, groupés sous l'appellation d'apocryphes, qui ne sont pas inclus dans la Bible des protestants, mais les catholiques les ont intégrés dans leurs écritures pour des raisons propres à eux. Si nous refusons d'inclure ces livres dans nos éditions de la Bible, c'est tout simplement parce que nous ne les considérons pas comme des écritures révélées. Si vous examinez ces livres, vous découvrirez de nombreux éléments qui montrent qu'ils ne sont pas d'inspiration divine. Quant à l'islam, il déclare reconnaître le caractère divin de la Torah et de l'Évangile. Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas la vraie Torah ni le vrai Évangile. Ce sont des textes falsifiés. Mais si le texte est falsifié, c'est que notre foi l'est également.
Et si ce que je tiens dans la main est un texte falsifié, il n'est donc pas la parole de Dieu. Et partant, les millions innombrables de chrétiens ont cru vainement, vécu vainement et sont morts vainement. Ils nous disent que les livres originaux révélés par Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Évangile, furent perdus. Mais personne, je pense, n'est en mesure de dire où, quand et comment ils furent perdus. Je pense que j'ai le droit de poser la question. Si Dieu a révélé ces deux livres, la Torah et l'Évangile, et s'ils sont la parole de Dieu, comme le dit le Coran, et je crois que tout musulman instruit admet avec moi que le Coran reconnaît l'existence d'autres livres révélés, à savoir la Torah et l'Évangile. Donc si Dieu a fait descendre ces deux écritures, n'était-il pas dans son pouvoir de les conserver? Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est tout-puissant, et l'islam croit que Dieu est tout-puissant. Alors si Dieu est tout-puissant, il lui est facile de conserver ses livres et de les préserver de la perte. Mohammed a souvent mentionné ses livres dans le Coran et dans les autres écritures saintes. Et je déclare devant vous ce soir que l'Ancien Testament que je tiens dans ma main est le même Ancien Testament qu'avaient les Juifs au temps de Mohammed et qu'il n'a pas subi de modification. Et que le Nouveau Testament que je tiens dans la main est le même Nouveau Testament qu'avait l'Église au temps de Mohammed. Dieu l'a conservé et notre foi n'est pas vaine. Je crois que je pourrais prouver ce soir que notre foi n'est pas vaine. Je suis certain que tous les musulmans ici présents savent qu'après la mort de Mohammed, il existait un nombre appréciable de copies du Coran qui n'était pas encore établi. Puis, les théologiens musulmans ont émis des instructions à ce sujet et le calife Osman décida d'unifier les textes coraniques. Je me demande combien de musulmans connaissent ce fait qui eut lieu peu après la mort de Mohammed. Car il existait un grand nombre de textes coraniques qui contenaient une multitude de lectures différentes. Et pendant son règne, Osman reçut des rapports indiquant que les musulmans en Syrie, en Arménie et en Irak ne récitaient pas le Coran de la même manière qu'en Arabie. Osman demanda immédiatement à voir les manuscrits du Coran et il demanda à Zayd ben Thabet et à trois autres musulmans de copier et de corriger, si nécessaire, le manuscrit qui se trouvait en possession de Hafsa, une des épouses de Mohammed et fille de Omar. De corriger s'il était nécessaire. Et une fois ce travail terminé, Osman prit des mesures sévères à l'encontre des autres manuscrits du Coran et il envoya une copie du texte officiel dans chacune des provinces musulmanes. Puis il ordonna que
tous soient brûlés, tous les autres manuscrits partiels ou intégraux du Coran. Je me demande pourquoi un tel ordre, si ces textes n'étaient pas discordants. Les seuls qui aient ordonné de brûler l'Évangile sont ceux qui lui vouaient de la haine. Je m'interroge avec étonnement combien de textes du Coran, qui est un livre magnifique, et du point de vue littéraire, sans égal, mais combien sont nombreux les récits plagiés des légendes et des mythes juifs. Je m'interroge. Je m'interroge et je m'étonne, et je voudrais examiner quelques instants les prétendues contradictions et discordances dans la parole de Dieu pour vous prouver que ceci est la parole. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 4, et la première chronique, chapitre 21, verset 1, il est dit que le Seigneur incita David. Puis dans la deuxième chronique, nous lisons que c'est Satan qui incita David. Cela semble être une contradiction. Mais tous ceux qui étudient la parole de Dieu savent que souvent, on attribue au Seigneur des actes qu'il a seulement laissé s'accomplir. Le Coran contient plusieurs exemples qui montrent que Dieu a fait la même chose. Je le répète encore une fois, il n'y a là aucune contradiction. Souvent, et surtout dans l'Ancien Testament, Dieu est tenu responsable de certains actes alors qu'il a seulement laissé faire. Et en fin de compte, il est peut-être bien responsable. Dans le premier chapitre des Rois, chapitre 4, verset 26, on parle d'écuries pouvant recevoir 40 000 chevaux, pour souligner la puissance de David. Mais ce chiffre se réduit à 4 000 dans la deuxième chronique, chapitre 9, verset 20. Et on se demande si ce n'est pas une contradiction. C'est effectivement une contradiction, nette et évidente, puisqu'il s'agit de la même histoire. Et la parole de Dieu comporte d'autres passages qui décrivent une même chose par des moyens divers et différents. Il en est ainsi à propos des chiffres. En un certain endroit, par exemple, on donne le chiffre de 2000 qui devient 3000 dans la première ou la deuxième chronique. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, on raconte l'histoire d'une femme surprise en train de commettre l'adultère. Et certains disent que ce texte n'existait pas dans l'original et serait un rajout ou un gauchissement. Toutefois, les sources originales éthiopiennes et syriaques, ainsi que les premiers ecclésiastiques, affirment que ce texte faisait partie des manuscrits primitifs. On invoque également la répétition dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 37, où les deux textes se ressemblent mot pour mot. Si Dieu les a fait descendre, pourquoi se répètent-ils? Et pourquoi pas? Jésus se répète quelquefois. Dans le Coran, on lit 1000 ans dans la sourate 32, verset 5, et 50 000 ans dans la sourate 70, verset 4. Une fois c'est 1000, une autre fois c'est 50 000. S'agit-il d'une contradiction? C'est ce que je vous dis. Si ce texte était vraiment faux, s'il s'agissait d'une imposture, s'il s'agissait d'un gauchissement, ne pensez-vous pas que les imposteurs auraient supprimé ces prétendues contradictions de la parole de Dieu? Cette idée n'a-t-elle pas effleuré votre esprit? Ces textes furent laissés en l'état, et pour vérifier leur authenticité, on a effectué des études approfondies et poussées. Puis on a décidé de les copier tels qu'ils se présentent dans le manuscrit, dans sa traduction de l'hébreu ou du grec. Alors que s'est-il donc passé? Si c'est vraiment la parole de Dieu, pourquoi donc comporte-t-elle ces contradictions? Le problème est assez simple. On ne disposait pas à l'époque de photocopieurs Xerox, ni d'ordinateurs. Les textes étaient copiés à la main.
et les copistes ou les traducteurs commettaient parfois des erreurs. Et je pense que nos frères musulmans sont d'accord avec nous sur ce point. Concernant la généalogie, on trouve dans l'évangile selon Matthieu les ancêtres de Joseph et dans l'évangile selon Luc les ancêtres de Marie. Dans le temple à Jérusalem, s'il y avait la moindre erreur, le temps qui m'est alloué touche à sa fin. D'accord. S'il y avait la moindre erreur dans la généalogie du Christ, on l'aurait immédiatement signalé, ce qui ne fut pas le cas. Ce texte est un livre d'histoire qui relate des milliers de détails relatifs à des peuples, à des villes, et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot de ce qu'il décrit. Des millions de tonnes de ruines et de vestiges ont été enlevés et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot. Deuxièmement, c'est un livre de prophéties, des milliers de prophéties qui se sont toutes réalisées. Pour conclure, il me reste 3 minutes. Et ce que j'ai dit déjà ne représente qu'un tiers de ce que j'avais préparé. Je voudrais dire que je n'ai jamais rencontré cet homme avant ce soir. Mais j'ai lu son petit ouvrage. Et je vous le dis sincèrement, Monsieur Didat, je suis un peu choqué. Je m'attendais à plus d'égards. Et je ne parle pas de notre réunion de ce soir, mais de la teneur de votre ouvrage. J'ai ressenti de l'amertume et de la tristesse. Dimanche soir, je me suis rendu à l'église pour prier. J'ai prié pour cette réunion. Et je crois que le Seigneur a parlé à mon cœur. Vous êtes plus âgé que moi et je vous dois le respect que vous méritez de par votre âge et votre prestige. Dieu, auquel je crois, a parlé à mon cœur et m'a dit, dites à cet éminent monsieur qu'il y a 2000 ans, il y avait un autre homme, Saul de Tarse, qui n'aimait pas les chrétiens. Et je crois que vous connaissez l'histoire. Saul rencontra Jésus sur la route de Damas. Ce dernier lui demanda, pourquoi te jettes-tu sur les ronces? Et je crois que notre Père, qui est aux cieux, m'a chargé de vous demander pourquoi. Et je le dis avec révérence et respect. Pourquoi vous attaquez-vous au plus grand des prophètes, Fils de Dieu, Seigneur Jésus? Il m'a dit, dites à M. Didat que je l'aime infiniment parce que je suis Dieu de l'amour et que s'il me donnait son cœur, je comblerai sa solitude et dissiperai la douleur et l'injustice qui oppressent son cœur. Et je lui accorderai l'amour pour les musulmans qu'il n'a jamais connus auparavant. Et pour terminer ce discours, dont je n'ai pu prononcer que le tiers, je voudrais dire à M. Didat, nous vous aimons. Et le Seigneur vous aime et vous bénit. Et maintenant, Monsieur Ahmed Didat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله صدق الله العظيم. Mr. Chairman, Monsieur le Président, chers frères, j'avais l'intention d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, mais les griefs et les allégations de frère Swaggart m'obligent à proclamer certains principes de ma foi. L'islam est la seule religion, à part le christianisme, qui impose à ses croyants de croire en Jésus. Un croyant ne saurait être musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous croyons que Jésus est l'un des grands envoyés de Dieu. Nous croyons. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons à sa naissance miraculeuse que nient beaucoup de chrétiens de nos jours. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes d'accord avec les chrétiens sur ce point, mais ce qui nous sépare sur les moyens et la seule vraie divergence entre les musulmans et les chrétiens, c'est que nous disons que Jésus n'est pas Dieu Tout-Puissant incarné en forme de créature humaine, qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu et qu'il n'est pas le Fils engendré par Dieu. Métaphoriquement, nous sommes tous, bons ou méchants, fils et descendants de Dieu. Et de ce point de vue, il se peut que Jésus soit plus proche que nous de Dieu dans la filiation, car il est plus dévoué pour Dieu que chacun d'entre nous. Et nous pourrions, dans ce sens, le considérer comme le Fils de Dieu. Mais nous n'allons pas jusqu'à dire, comme le croient les chrétiens, qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est issu de Dieu et non sa créature. J'aborde maintenant le sujet de notre débat. Le sujet est, la Bible est-elle la parole de Dieu? Frère Swaggart essayait de nous persuader qu'il n'existe pas de différence entre une copie et une traduction. Nous, musulmans, nous avons plusieurs traductions du Coran, et même pour les traductions anglaises. Celles de Youssef Ali, Mohamed Bakhtrol, Badi ou d'autres. Nous avons des versions différentes effectuées par divers traducteurs. Mais traductions différentes, cela veut dire différence dans le choix des termes. Choix et sélection des termes, des mots qu'on traduit de l'arabe en anglais. La différence se situe donc au niveau du choix des mots. Quant aux copies, elles posent un problème tout à fait différent. Regardez cette Bible que je tiens dans ma main. Frère Swaggart et beaucoup de protestants ne reconnaissent pas quelle est la parole de Dieu. C'est la version de Dewey Orrins de la Bible, adoptée par l'Église catholique. Et cette Bible comporte 73 livres, soit 7 livres de plus que la version sur laquelle prête serment Frère Swaggart. Je veux dire la version du roi James. Voici la version du roi James, sur laquelle prête serment Frère Swaggart. Et dans le numéro de décembre 1985 de la revue Evangelist, édité par Frère Swaggart, un lecteur lui demande si la Bible est la parole de Dieu. Tout en précisant entre parenthèses, je veux dire la version du roi James. C'est dans votre revue Evangelist, numéro de décembre 1985. Et ça concerne la version du roi James. Cette version du roi James a exclu les 7 livres en question. Elle les a exclus et refusés. Bref, les protestants ne reconnaissent pas ces 7 livres comme étant la parole de Dieu. Vous utilisez ces termes techniques tels que « apocryphe », dont le sens échappe à la masse des chrétiens. Que signifie le mot « apocryphe » ? C'est un terme qui désigne un texte suspect, dont l'authenticité est douteuse, indigne de figurer dans la parole de Dieu. Et pour cette raison, les protestants ont exclu ces 7 livres et les ont considérés comme une imposture. Cette version n'est pas admise par les protestants comme étant la parole de Dieu.
Est-ce vrai ou non? Cette version n'est pas la parole de Dieu. On va donc l'exclure. Ce que vous dites, je l'admets. Vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu, je souscris à votre avis et je l'exclus. Maintenant, voilà la parole de Dieu, dites-vous, en montrant la version du roi James, composée de 66 livres. Cette Bible fut éditée pour la première fois en 1611 par ordre de Sa Majesté le roi James, dont le nom figure toujours sur les éditions actuelles. C'est la version adoptée. Adoptée par qui? Non pas par Dieu, mais par le roi James. C'est lui qui l'a adoptée, et non Dieu le Très-Haut. Venons-en maintenant aux anciens manuscrits. Les textes anciens sont ceux qui datent de 400 à 600 après Jésus-Christ. Et les plus anciens manuscrits consistent dans la traduction que nous voyons ici, ou le récit RSV, la version standard, revue et corrigée, qui remonte aux plus anciens manuscrits. Elle date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ et peut donc être considérée comme la plus proche du libellé original. Elle est plus proche de l'original authentique que tout autre document, c'est une chose logique et recevable. Et si Jésus, si elle avait été écrite au temps de Jésus, s'il l'avait lui-même signée, il n'y aurait jamais eu aucune controverse. Celle-ci date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ et celle-là de 400 à 600 après Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on a édité cette traduction. On l'a édité dans votre pays, en Angleterre et au Canada. Et tous ces pays ont édité cette version en même temps. Et cette traduction a été chaleureusement accueillie et louée. Le journal édité par l'Église anglicane la considère comme la plus précise des versions du XXe siècle. Oui, celle-là, la version la plus précise. Le supplément littéraire du Times estime que c'est la traduction la plus précise et la plus exacte faite par d'éminents savants qui utilisèrent tous les moyens littéraires et scientifiques modernes. Life and Words, tout en soulignant ses grandes qualités, estime qu'elle est la traduction la plus moderne et la plus précise. Je répète, la plus moderne et la plus précise. Et quant au Times, le magazine anglais, il la décrit comme étant la plus précise et la plus actuelle et la plus fidèle au texte original. Ces éditeurs de la Bible, la première édition est parue en 1952, ont exprimé avec des termes très élogieux leur admiration pour la version du roi James. Naturellement, je ne serais pas digne d'accomplir mon devoir si je ne vous citais pas ces louanges. Le frère Swaggart est enthousiasmé par la version du roi James, moi aussi, et toutes les citations que je vais vous donner sont extraites de la version du roi James. J'aime sa langue. Mais maintenant, on s'est débarrassé de certains termes et expressions qui ne conviennent pas aux chrétiens de ce siècle. Par exemple, le texte qu'a cité frère Swaggart à la fin de son discours et qui raconte la conversion de Saul, persécuteur des premiers chrétiens. Saul, en route pour Damas, voit une apparition et entend Jésus qui l'interpelle en hébreu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi te jettes-tu sur des pics? C'est cela le texte exact, comme on le trouve dans la version du roi James. Je me demande pourquoi frère Swaggart a employé le mot « goad » au lieu de « prex ». J'ai souvent demandé aux chrétiens ce que signifiait ce mot « goad », mais aucun n'était en mesure de me le dire. Pourquoi changez-vous les termes? Si c'est « prex », dans le texte, il faut que ça reste « prex ». Si c'est la langue originale dans la version du roi James, mais maintenant on emploie le mot « goad » que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est un mot récent, un terme nouveau, mais je n'attacherai pas beaucoup d'importance à ce mot « goad ». En ce qui concerne la version standard du roi James, elle a été revue et corrigée par 32 théologiens des plus éminents et avec la collaboration de 50 autres spécialistes appartenant aux confessions chrétiennes. Et selon ces hommes, il a été convenu de considérer, pour des raisons valables, que la version du roi James était la plus importante ouvrage en prose dans la littérature anglaise. Et en 1881, ils ont exprimé leur admiration dans sa facilité, sa majesté, sa pureté, son style magnifique et rayonnant, ses tournures musicales et son rythme. Et cette version a exercé une influence sans précédent
sur la formation de la personnalité individuelle et des institutions publiques dans les pays anglophones où l'on loue ses innombrables mérites et bienfaits. Les peuples anglophones, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, et beaucoup d'autres gens comme moi ont adopté l'anglais comme langue nationale. Je parle l'anglais mieux que toute autre langue, mais pas aussi bien que Frère Swaggart. Mais ce sont les circonstances qui ont fait de l'anglais ma langue nationale. Je rêve en anglais, je prête serment en anglais, et cela, de l'avis des psychologues, fait de l'anglais ma langue nationale. Si un savant musulman voulait faire l'éloge du Coran, il n'aurait pas fait mieux. Maintenant, préparez-vous à une autre surprise. Préparez-vous à un choc qui émane de 32 savants assistés par 50 collaborateurs appartenant aux confessions chrétiennes. Ces derniers disent que malgré cela, la version du roi James comporte des défauts très nombreux et très graves. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il existe des défauts très nombreux et très graves qui nécessitent la révision et la correction de la traduction anglaise. Il y a de si sérieux défauts qu'elle nécessite une révision. Elle nécessite la correction et on l'a corrigée. Dans le passage de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, considéré comme le pivot de la religion chrétienne par les évangélistes, les prédicateurs, les missionnaires et les prêcheurs chrétiens, il est dit, Jean 3, 16, « Car Dieu a ainsi aimé le monde », textuellement dans la version du roi James, « qu'il a donné son Fils unique, engendré par lui ». Frère Swaggart a changé le mot « begotten » en « unique ». Ce mot ne se trouve pas dans la version du roi James. La version du roi James contient le mot « begotten ». Vous avez vu Frère Swaggart à la télévision, ou peut-être sur une cassette vidéo, ce matin même. Il s'adressait à un groupe de personnes qui devaient appartenir à son église et il leur parlait, semble-t-il, de ce même sujet ou d'un autre et il a employé l'expression « engendré par Dieu ». C'était ce matin. Et 8 heures plus tard, il la change, cette expression, en « unique ». Alors je lui demande, est-ce que vous avez honte du mot « begotten » ? Est-ce que vous avez honte du fait que le Christ soit le Fils unique, engendré par Dieu ? Mais le frère Swaggart, dans un des 30 livres que j'ai achetés en Afrique du Sud avant mon départ, ce sont vos livres, plus de 30 livres que j'ai achetés et lus, un par un, pour savoir de quoi parle le frère Swaggart et ce en quoi il croit, réellement. Car d'habitude, lorsqu'on discute avec des chrétiens, on constate que chacun d'eux est un cas particulier, unique. Dès que vous le coincez sur un sujet, n'importe quel sujet, il vous répond « je ne crois pas à cela ». Et chacun des milliards de chrétiens, chaque chrétien que je rencontre, je le trouve unique en son genre, un cas particulier. Qu'il appartienne à l'église anglicane ou catholique, il ne croit aux enseignements ni de l'une ni de l'autre. Chacun d'eux est un cas unique. Et pour cela, je me suis dit, je vais lire ses livres pour savoir ce qu'il veut. Alors j'ai trouvé qu'il se référait au passage 3.16 de l'évangile selon Jean et que dans ses citations, il employait le mot « begotten », mais ce soir, il emploie le mot « unique ». Vous savez pourquoi ? La raison est évidente. C'est parce que les musulmans contestent ce terme. Le Coran dit « il n'engendra ni ne fut engendré », c'est-à-dire que Dieu n'a donné naissance à aucun fils et que lui-même n'est issu de rien. Il est sans pareil, ni équivalent. Le Coran rejette l'idée selon laquelle un fils est issu de Dieu, car la procréation est un acte animal, fruit de l'acte sexuel qui est la fonction la plus animale. Et cela ne peut être attribué à Dieu de la manière que proclament sans cesse les chrétiens, comme quoi le Christ est l'unique fils engendré par Dieu et qu'il a été engendré et non créé. Et je demande tout le temps aux chrétiens, de grâce, expliquez-moi ce que vous entendez par « il a été engendré et non créé ». Que voulez-vous dire par là ? Et croyez-moi, pendant 40 ans, pas un seul anglican n'a pu m'expliquer ce que signifiait le mot « begotten ». Il m'est arrivé une fois d'être le guide d'un groupe de touristes qui étaient venus visiter la mosquée dans la ville de Durban. Et je demandais à un Américain de ce groupe ce qu'il entendait par « il a été engendré et non créé ». Il me répondit « cela veut dire que Dieu l'a enfanté ». «
Et cet Américain me dit, cela veut dire que Dieu l'a enfanté. Et je dis, quoi? Il se rétracta. Non, je ne dis pas que c'est le sens de ce mot. Croyez-moi, c'est ce que signifie effectivement l'expression « begotten, not made ». Elle veut dire « il a été engendré par Dieu ». Alors je lui demandais « vous croyez que Dieu a fait cela ?» Il répondit « je ne sais pas ». Je n'ai pas dit que c'était ça le sens. C'est pourquoi les musulmans contestent vivement cette expression qui signifie que Dieu a engendré un fils. Cette expression se trouve dans votre langue à vous, dans vos doctrines, dans la doctrine catholique, la doctrine anglicane, la doctrine méthodique, la doctrine luthérienne. Vous admettez tous cette expression « engendré et non créé ». Il me dit, ce n'est pas comme Adam. Adam a été créé par Dieu au même titre que le chien, le porc et l'âne. Je lui dis, alors Dieu est au sens figuré père de toutes les créatures. Il me dit, c'est différent pour Jésus. Il a été engendré et non créé. Et je lui demande de m'expliquer. Mais sans recevoir de réponse. Alors pour cela, les musulmans rejettent cette expression. Et je répète que 32 théologiens éminents et leurs 50 collaborateurs chrétiens décidèrent de supprimer cette expression. Les musulmans vous ont-ils menacé de ne plus fournir du pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot? Vous ont-ils menacé? Les Arabes ont-ils menacé de couper le pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot de l'Évangile? Pourquoi l'avez-vous supprimé? Parce que c'est un mot étranger. Parce qu'il n'est pas une parole divine. L'Évangile que vous portez contient cette falsification. Et ce matin, vous disiez que si le texte contenait un seul mot falsifié ou étranger, le livre devrait être rejeté dans son intégralité. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un seul mot, mais d'un nombre impressionnant de mots. Comme l'attestent vos réviseurs. Et frère Swaggart écrit dans un de ses livres que pour vérifier l'authenticité de quoi que ce soit, il faut faire appel à des spécialistes. Et si vous voulez savoir quelque chose sur la géologie, dit-il, il n'y a que le géologue qui puisse vous renseigner. Alors pour étudier l'Évangile, à qui doit-on s'adresser? À un coiffeur? À un fabricant de chaussures? Bien sûr que non. Il faut aller voir des savants ou des spécialistes de l'Évangile. Mais ceux-ci nous disent, c'est du pur gauchissement. Ensuite, en ce qui concerne le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère Swaggart citait textuellement un passage de la deuxième lettre de Jean, chapitre 5, verset 7, où il est dit « Parce que ceux qui témoignent au ciel sont trois, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois témoins sont un. » Si j'avais le temps, je vous montrerai dans quel livre. J'ouvrirai le livre sur la page qui contient le texte. Ce texte ne se trouve pas dans mon évangile, diriez-vous. Diriez-vous que ce n'est pas la parole de Dieu? Vous allez dire que ce texte n'est pas dans mon évangile. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'y trouve pas. Parce que vos savants, parce que 32 éminents théologiens et leurs 50 collaborateurs chrétiens prétendent que c'est une autre imposture, un autre gauchissement. Et pour cela, ils l'ont supprimé, sans cérémonial. Je vais prendre un autre exemple concernant l'ascension. Dans son livre, frère Swaggart cite le verset 16, chapitre 16, de l'évangile de Marc. Puis à un autre endroit, toujours Marc, le verset 19, chapitre 16. Ce livre n'est pas dans mon évangile. Ce n'est pas moi qui ai édité cette version, ni les juifs, ni les hindous. C'est vous, les chrétiens, qui l'avez édité. Et qui nous avez dit que c'était la version la plus moderne et qu'elle avait été établie à partir des manuscrits les plus sûrs. Alors, lorsque j'ai ouvert l'Évangile selon Marc, chapitre 16, j'ai trouvé qu'il se terminait au verset 8, que les textes du verset 9 au verset 20 n'y étaient pas. Est-ce moi qui les ai supprimés? Est-ce les musulmans qui l'ont fait? Non, ce sont 32 éminents savants chrétiens, assistés par 50 collaborateurs chrétiens, qui les ont supprimés après avoir constaté qu'il s'agissait d'une autre imposture imposée au christianisme. Et voilà pourquoi ils les ont supprimés. Ceci n'est pas dans mon évangile, et cette version n'est pas la parole de Dieu. Et si cette version était la parole de Dieu, celle-là ne serait donc pas la parole de Dieu. Je prends un autre évangile. Regardez cette version, et regardez celle-là. Ne sont-elles pas identiques, frère Swaggart? Ou bien celle-là? Ce qui fut supprimé a été réintégré de nouveau. Il y est. Et ce qui est supprimé, c'est le texte relatif à l'ascension, en deux endroits seulement dans les évangiles. Les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est question de l'ascension dans deux évangiles seulement. Celui de Marc, chapitre 16, verset 19,
et Luc, chapitre 24, verset 24. Les textes relatifs à l'ascension furent considérés comme un gauchissement et supprimés tous les deux dans cette version. Et chacun de ces évangiles nous raconte que Jésus montait un âne à Jérusalem. Marc et Matthieu racontent qu'il montait un âne à Jérusalem. Luc raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Jean raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Dieu Tout-Puissant n'a pas oublié d'indiquer que son Fils montait un âne à Jérusalem à une époque où tout le monde à Jérusalem se déplaçait sur des ânes. Dieu ne l'a pas oublié, mais par contre, il a oublié de mentionner, ne serait-ce qu'une fois, l'ascension. Et là où elle est évoquée, le texte est supprimé. Un autre évangile, évangile identique. C'est ce qu'il paraît. Et c'est le même éditeur. Nous regardons et nous voyons que ce qui avait été supprimé s'y trouve de nouveau. Est-ce possible? Est-ce possible? À quel jeu, à quelle tromperie vous livrez-vous? Regardez celle-là. C'est de nouveau la même histoire. C'est l'édition de 1971. Le commun des mortels, les gens simples, ne savent rien de ce qui se passe, ni des manipulations qui s'opèrent. Vous lisez l'introduction. Les intellectuels et les prêcheurs lisent aussi l'introduction, mais n'informe pas les fidèles de sa teneur. Et nous lisons dans l'introduction qu'un certain nombre de personnes et de représentants des confessions chrétiennes les ont réprimandés et obligés à réinsérer ce qui avait été supprimé, menaçant, en cas de refus, de mener une campagne religieuse contre ce livre pour inciter les fidèles à acheter la version du roi James au lieu de celle-ci. Et pourtant, cette version est la plus récente et se réfère aux manuscrits les plus anciens. Non. Rejetez cette version et adoptez celle-là parce qu'elle est plus sûre, parce qu'elle contient tout ce que vous souhaitez prêcher. Il est plus facile de pêcher le poisson avec cette version. C'est un appât. Vous connaissez le poisson. C'est exactement comme le décrit Dale Carnegie dans son livre « Comment gagner des amis et se faire aimer les autres ». Il écrit « Moi, j'aime les fraises et la crème. Mais quand je veux pêcher le poisson, j'utilise des vers. » Non que je sois féru de vers, que j'aime les vers, mais parce que le poisson aime ça. Voilà pourquoi j'utilise les vers. Pour chasser une proie, il faut utiliser un appât approprié. Et l'introduction énonce que le texte sur l'ascension a été réintroduit dans l'Évangile. Pourquoi? Non pas parce que Dieu l'a ordonné. Dieu ne s'adresse pas directement à ses savants, comme il le fait avec Frère Swaggart, selon ses dires. Il écrit que Dieu vient à lui et lui dit « Mon fils, mon fils ». Mon fils, Dieu ne s'est même pas adressé à son fils Jésus de cette manière, il ne lui disait pas mon fils, mais parlait de lui à la troisième personne. Celui-ci est mon fils, je mets en lui toute ma joie. Tandis qu'avec Frère Swaggart, c'est mon fils. Non. Pas comme ça. Voilà pourquoi je déclare que ce n'est pas la parole de Dieu. Et lorsque cette histoire a été révélée, on avait déjà réalisé un bénéfice net de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars avant que cette version ne fût retirée de la vente. Frère Swaggart a écrit des livres magnifiques. Magnifiques. L'inceste. La licence dans la littérature et les arts. L'homosexualité. Les boissons enivrantes. Et je ne pense pas que je suis en mesure de rivaliser avec lui dans ce domaine. Des livres magnifiques. L'inceste. Une souillure dans notre société, la société américaine. Je ne savais pas. Je pensais que le premier livre, La Genèse, comportait 4 cas seulement. Et voilà le livre de Frère Swaggart qui m'apprend qu'il y en a un cinquième. On dirait que ce livre est une référence en matière d'inceste. Un kaléidoscope d'inceste. 10 cas d'inceste dans un livre révélé par Dieu. On nous dit que si vous mangez une nourriture avariée, vous devenez avarié. Et que si vous lisez des livres pourris, votre esprit devient pourri. C'est ce que vous lisez. Ne remarquez-vous pas que nous sommes devenus comme des machines, qu'à tout ce que nous lisons ou voyons, nous réagissons comme une machine, on lit tout le temps inceste, 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 le père avec ses filles, le fils avec son père, le père avec sa belle-fille, le frère avec sa sœur. C'est quoi tout ça? 10 cas d'inceste, et on écrit sur l'inceste, l'inceste, l'inceste. Il n'est pas étonnant que cette perversion se répande comme une épidémie. Vous savez, le docteur Jones, un psychiatre américain d'une grande réputation, il a réalisé des tests sur un groupe d'écoliers à qui il avait fait lire des contes choisis.
et il a constaté que ces lectures avaient provoqué des changements, peu importants certes, mais durables, dans la personnalité des enfants. Cela s'est passé durant la période scolaire. La nature des lectures proposées aux enfants et les scènes qu'ils voient forment leur esprit futur. Et pour cela, je me demande pourquoi Dieu Tout-Puissant, dans un livre saint, dévie du chemin pour évoquer 10 cas d'inceste. Et pour cette raison aussi, chers frères et sœurs, je dis que ceci n'est pas la parole de Dieu. À propos des premiers 5 livres de la Bible, qui sont supposés être les livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, à propos de ces livres, des savants chrétiens des plus éminents soutiennent que Moïse n'a pas écrit ces livres, que ce n'est pas lui qui les a écrits, qu'il n'en est pas l'auteur. Les auteurs, l'auteur de la Genèse, le premier livre de Moïse figure entre deux parenthèses. L'Exode, le deuxième livre de Moïse, entre parenthèses. Le Lévitique, troisième livre de Moïse, entre parenthèses. Les Nombres, quatrième livre de Moïse, entre parenthèses. Le Deutéronome, cinquième livre de Moïse, entre parenthèses. Je m'interroge, pourquoi entre parenthèses? Que signifie cela? Pourquoi ces parenthèses? On nous dit de façon fort diplomatique, en usant de procédés psychologiques, ce ne sont pas là nos opinions, nous ne croyons pas cela. Ce sont les gens simples, les prédicateurs, les prêcheurs de la Bible et les évangélistes qui y croient. Ces livres sont les livres de Moïse, mais Moïse ne les a pas écrits. Nous ne croyons pas que c'est la parole de Moïse, et c'est pourquoi nous les mettons entre parenthèses. Pas les paroles de Moïse. Et pourtant, les expressions « le Seigneur dit à Moïse » et « Moïse dit au Seigneur » reviennent plus de 700 fois dans ces 4 livres. C'est que Dieu n'a rien dit et Moïse n'a rien écrit. Dans votre langue, l'anglais, c'est écrit à la troisième personne. Ce n'est écrit ni par Dieu ni par Moïse. Si c'était Moïse qui l'avait écrit, il aurait mis « Le Seigneur me dit et je dis au Seigneur » ou bien « Le Seigneur dit, je dis à Moïse et Moïse me dit ». Tout le texte est écrit à la troisième personne. C'est quelqu'un d'autre qui rédige tout cela. Ces livres ne sont donc pas la parole de Dieu, ni même la parole de Moïse. En ce qui concerne le récit de la mort, j'ai découvert par des savants israélites que les prophètes juifs n'avaient pas écrit le récit de leur mort. Écrire cela avant la mort, ils se demandent seulement qu'on mette une inscription sur leur tombe. Les juifs n'ont pas fait cela. Le frère Swaggart signale que les paroles dans les livres du Deutéronome pourraient être celles de Josué. Mais les livres de la loi sont supposés être de Moïse. Que vient faire Josué là-dedans? Le livre dit « Moïse mourut là, dans le pays de Moab ». Mourut, cela veut dire au passé, c'est un verbe au passé. Et personne n'avait su jusqu'à ce jour où se trouvait sa tombe. Et Moïse avait, il avait 120 ans quand il mourut. Naturellement, Dieu est tout puissant et peut tout faire. Pour justifier les contradictions contenues dans la Bible, où l'instigateur de David est tantôt Dieu, tantôt Satan, il dit qu'en fin de compte, tout est attribué à Dieu. Mais si c'est Satan qui a incité David, peut-on dire que c'est Dieu qui l'a incité? Peut-on sur ce principe dire que c'est Dieu qui a exterminé les 6 millions de Juifs alors que c'est Hitler qui l'a fait? Acceptez-vous cela parce que Dieu l'a voulu? C'est ce que vous prêchez, que Dieu est responsable de l'extermination de 6 millions de Juifs, ou 600 000, ou même 6 000? Si c'est Hitler qui a commis cet acte, oseriez-vous prétendre que c'est Dieu qui l'a fait? Pouvez-vous discréditer Hitler et le parti nazi en disant que c'est Dieu qui l'a fait? Non. Mes chers frères et sœurs, chers frères Swaggart, si un criminel commet tel ou tel acte, nous disons que c'est lui qui l'a fait et qu'il en est responsable. Nous n'incriminons pas Dieu. Il est vrai que Dieu est à l'origine de toute puissance, mais il nous a accordé la libre volonté pour réfléchir et discerner le bon du mauvais. Et si vous commettez un péché, c'est vous qui en êtes responsable. Et si vous ne pouvez pas vous décharger sur Dieu. Voilà pourquoi je demande, est-ce Satan qui a incité David ou bien Dieu? Satan et Dieu ne sont pas deux termes synonymes dans aucune religion. Satan et Dieu sont deux antagonistes. La pornographie, la licence, dans la littérature et les arts. Frère Swaggart dénonce violemment le libertinage et je suis d'accord avec lui. La licence, que ce soit dans les écrits, les dessins ou les films,
est une chose dégoûtante. Et Frère Swaggart nous l'expose dans ses ouvrages, ses études et ses recherches sur la question. Lorsque vous lisez, regardez ces choses, écrit-il, elles agissent comme une drogue, comme la marijuana, l'opium, l'héroïne ou l'alcool. Elles agissent comme une drogue. Vous regardez ces choses et il se produit une réaction chimique, précise-t-il. Et c'est bien cela, Frère Swaggart, une réaction chimique. Effectivement, à force de lire des ouvrages licencieux dans la littérature et les arts, l'esprit s'y habitue et les mœurs se relâchent. Ce sont ses propres termes, des termes que j'apprends pour la première fois. Puis on se laisse entraîner par le vice et on s'y enfonce jusqu'à en devenir l'esclave. Et c'est de cette façon que le mal s'empare de l'homme. Il est très violent dans sa dénonciation et en cela, il est proche de l'attitude de notre gouvernement en Afrique du Sud, car si je ramène avec moi quelques-uns de ces magazines que je pourrais acheter à l'aéroport de Kennedy ou à Heathrow ou partout ailleurs, je serais condamné à 2 ans de prison. Les Africains du Sud sont des gens pieux qui vivent dans la crainte de Dieu. Vous ne connaissez que l'autre aspect de l'Afrique du Sud, mais en ce qui concerne la religion et la piété, les chrétiens là-bas sont très rigoureux. Dans ce pays qui est le mien, on a censuré des textes de la Bible. Il s'agit d'un manuel comportant 9 passages du Livre Saint qui se vendait partout. Puis quelqu'un en envoya un exemplaire à la censure en leur disant « Regardez cela! Comment peut-on admettre de telles choses ?» Alors les autorités interdirent ce manuel sans savoir qu'elles censuraient des extraits de la Bible. Des textes du livre d'Ézéchiel, chapitre 23. Et je mets au défi tout prêtre de les lire devant les fidèles de l'Église. Je mets au défi tout évangéliste de les lire à sa mère, sa sœur, ses enfants, ou même à sa fiancée si elle était vraiment vertueuse. Le chapitre 23 du livre d'Ézéchiel relate la prostitution des 2 sœurs, Ohola et Hololiba, avec des termes extrêmement licencieux. Et voilà pourquoi mon gouvernement a ordonné cette interdiction. Le comité de censure comprenait 2 prêtres représentant l'Église qui n'ont pas su qu'ils censuraient des extraits de la Bible. Mon gouvernement est tellement vertueux qu'il a interdit la publication du roman L'amant de Lady Chatterley à cause d'un mot de 4 lettres. Un seul mot détestable qui a valu au livre d'être interdit pendant 20 ans. Mais maintenant, ayant mûri et évolué, les autorités décident de lever cette interdiction. Et pour revenir aux 9 passages de la Bible, vous dites que c'est la parole de Dieu et vous avez honte de les lire devant vos téléspectateurs. Je mets au défi, Frère Swaggart, de lire ces extraits. Le manuel est là et vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le livre. Ces passages sont soulignés en rouge. Je vous demande de les lire avec votre style célèbre, votre élocution séduisante et vos gestes fameux. Et si vous acceptez de les lire devant l'assistance ici présente, Frère Swaggart, je vous donnerai 100 dollars. 100 dollars, c'est une somme insignifiante pour Frère Swaggart. Dans un de ses ouvrages, Frère Swaggart indique qu'il a besoin de 291 000 dollars par jour rien que pour reprendre son souffle. J'ai calculé, cela fait 106 millions de dollars par an. Et dans le numéro de décembre 1986 de l'Évangéliste, il déclare que ses besoins s'élèvent à 1 million de dollars par jour. Je lui souhaite plein succès, mais, Frère Swaggart, si je vous offre 1000 dollars, si je vous donne 1000 dollars, cette somme n'est pas assez pour vous tenter, je le sais. Mais avec votre manière habituelle, pleine de vigueur, je souhaite que vous ayez le courage et la hardiesse de vertu qu'on ne trouve pas chez tous les pasteurs. Lisez-le. Lisez-les à votre public. Ézéchiel, chapitre 23. Si vous ne pouvez pas, je dirais que ceci n'est pas la parole de Dieu et que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans son discours de tout à l'heure, Frère Swaggart a cité des passages de son livre. La Bible est-elle la parole de Dieu? Il existe actuellement dans votre ville 10 000 exemplaires de cet ouvrage que chacun, je suppose, peut acheter. Je ne sais pas si on va distribuer des exemplaires dans cette salle. J'avais demandé qu'on donne un exemplaire à chacun pour qu'une fois rentré chez lui, il le lise tranquillement et voit ce qu'il en est.
Dans ce livre, à propos de contradictions, il se demande pourquoi l'on n'examine pas le sens des textes coraniques, car, dit-il, s'il n'était pas la parole de Dieu, on y aurait trouvé de nombreuses discordances. Il veut dire que si le Coran était écrit par un être humain et non révélé par Dieu, on aurait décelé un grand nombre de contradictions dans ses textes. Je ne parlerai pas du Coran parce qu'il ne fait pas l'objet de notre débat. Je voulais simplement souligner que ce que dit le Coran, si un livre n'est pas d'inspiration divine, il peut y avoir des contradictions et des discordances. Mais s'il est de Dieu, alors les contradictions et les discordances sont à exclure. Par exemple, je reprends ce que vient de donner Frère Swigart comme exemple qui figure dans ses ouvrages. En un endroit de la Bible, Salomon a des écuries pouvant recevoir 4000 chevaux et dans un autre endroit, il a des écuries pouvant recevoir 40 000 chevaux. Frère Swigart justifie cette contradiction en disant que la différence entre 4 et 40, c'est un simple zéro. Mais moi, je dis que les Juifs, mes cousins, ne connaissaient pas le zéro lorsqu'ils ont écrit le livre. Ce sont les Arabes, mes frères, qui ont emprunté le zéro aux Indiens et l'ont fait connaître au reste du monde. Les Juifs ne connaissaient pas le zéro. Ils ont écrit ces chiffres en toutes lettres. Ils ont écrit 4 en lettres hébreux et ils ont écrit 40 en lettres hébreux. Et je vous le demande, qui est responsable de cette erreur? Dieu ou les copistes qui étaient sujets à l'erreur? Vous admettez vous-même que les copistes ont commis des erreurs. Madame Ellen G. White, qui appartient à une petite confession chrétienne et qui est membre influent du mouvement des sabbatiques, écrit dans son ouvrage sur la Bible, j'ai l'ouvrage là, elle n'a aucune raison de mentir, elle croit que la Bible est la parole de Dieu. Mais, ajoute-t-elle, la Bible que nous lisons aujourd'hui est l'œuvre de nombreux copistes qui, quoique ayant accompli leur travail avec une précision étonnante, n'étaient pas infaillibles. Et Dieu n'a pas jugé utile de les préserver de l'erreur. Dieu n'a pas jugé utile. En d'autres termes, cela veut dire que c'est l'affaire de Dieu, ça le regarde. S'il juge son intervention justifiée, c'est son travail. S'il veut quelque chose, il le fait. Et s'il ne le veut pas, alors tant pis pour vous. Débrouillez-vous. Dieu n'a pas jugé utile de les prémunir contre l'erreur de traduction. Et dans les pages suivantes de son commentaire, Madame White, allant plus loin encore, écrit que Dieu a en particulier préservé la Bible. Il l'a en particulier préservé de quoi? Je me le demande. Et pourtant, à l'époque où les copies étaient peu nombreuses, les savants, dans certains cas, ont changé des expressions dans les manuscrits originaux, croyant que ce faisant, le texte deviendrait clair, après l'avoir soumis à leur jugement solide, dominé par les conventions et les traditions. C'est le cas des témoins de Jéhovah, qui ont édité une traduction appelée « Traduction universelle moderne », que vous rejetez vous-même. Vous la rejetez parce que les témoins de Jéhovah ont opéré des changements en fonction de leurs propres idées. Les protestants ont fait la même chose. Ils ont changé des expressions parce que certains chrétiens croyaient en la divinité du Christ. Pour cela, nous disons que ces choses-là se sont produites dès le début et n'ont pas cessé depuis. S'agissant des 24 000 manuscrits dont Frère Swigart est si fier, il n'y en a même pas deux qui soient identiques ou qui se ressemblent selon les dires de vos savants. Alors comment pouvez-vous juger que tel de ces 24 000 manuscrits est la parole de Dieu et que tel autre ne l'est pas? Lorsqu'on ouvre votre version de la Torah de l'Évangile, celle du roi James, on lit en titre l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc et l'Évangile selon Jean. Que signifie, je vous le demande, le mot selon? J'ai le livre de Frère Swigart. L'homosexualité, ses causes et ses remèdes. On y lit que l'auteur en est James Swigart. James Swigart tout seul. Et dans vos livres, vous n'écrivez pas selon James Swigart. Alors pourquoi dans la parole de Dieu répète-t-on selon? Savez-vous pourquoi? C'est parce que ni Matthieu, ni Luc, ni Marc, ni Jean n'y ont apposé leur signature. Les auteurs de ces livres sont anonymes. Ces livres furent écrits par des auteurs anonymes, puis attribués à Dieu. Voilà pourquoi je dis, ceci n'est pas l'Évangile. Même dans la traduction arabe de ces livres, on lit l'Évangile de Matthieu, ce qui veut dire que Matthieu en est l'auteur.
l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Or nous croyons uniquement l'évangile de Jésus, c'est-à-dire ce qui est attribué à Jésus, qu'il a prêché et enseigné comme étant la parole de Dieu. Et quand vous examinez ces livres, Matthieu, Marc, vous trouvez que c'est l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean. Mais nous croyons à l'évangile de Jésus, l'évangile qu'il a enseigné et prêché. Matthieu nous raconte qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Marc dit qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Luc dit qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Jean dit qu'il est allé à tel endroit et a prêché l'évangile. Ses apôtres avaient-ils un livre sous le bras? Jamais de la vie. Ce qu'il prêchait venait de Dieu. Voilà ce à quoi nous croyons. Nous serions très heureux si vous éditiez un livre intitulé « L'Évangile de Jésus » et nous l'accepterions en tant que parole divine après vérification. Mais ce que vous avez, c'est la parole de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et à la page 7 de la revue de l'Église anglicane, le pasteur honoraire de la cathédrale de Chichester en Angleterre, Jimmy Phillips, écrit que l'Église, dans le passé, attribuait cet évangile à l'apôtre Matthieu. C'est ce que pensent les gens. La tradition, mais les théologiens de notre époque rejettent dans la grande majorité ce point de vue. Qui sont ces théologiens? Sont-ils juifs? Sont-ils hindous? Sont-ils musulmans? Bien sûr que non. Il s'agit d'éminents savants chrétiens. Ils disent que Matthieu n'a pas écrit Matthieu, puis il ajoute l'auteur que nous pourrions simplement appeler Matthieu. Simplement. Pourquoi simplement? Parce qu'au lieu de dire livre premier du Nouveau Testament, chapitre 9, verset 9, et livre premier du Nouveau Testament, chapitre 5, verset 17, et de gaspiller mon temps et le vôtre. Je dis Matthieu 9, 9 ou Matthieu 5, 17. J'emploie simplement le nom de Matthieu. Et le révérend Philippe écrit donc, l'auteur que nous pourrions simplement appeler Matthieu s'est rapproché de manière évidente des sources qui ne seraient qu'un ensemble de traditions orales et a adapté librement l'évangile de Marc qu'il copiait à l'école. Matthieu, le disciple et l'apôtre de Jésus, copiait sur un enfant de 10 ans qui n'a jamais été témoin des événements. Est-ce possible? Pourriez-vous admettre cela? Et vous continuez à prétendre que c'est la parole de Dieu? Cela a du sens pour vous? Un homme témoin, un compagnon de Jésus? Cela a vraiment du sens pour vous? La généalogie. On trouve dans les évangiles deux généalogies de Jésus, l'une en Matthieu, l'autre en Luc. Mais dans les deux listes des ancêtres, on ne découvre que deux noms parmi 66 qui soient cités à la fois par deux évangélistes. Frère Swigart suppose que l'une concerne la généalogie de Marie et l'autre celle de Jésus. Est-ce l'évangile qui le dit? Pas du tout. Les deux livres disent que c'est la généalogie de Jésus. Et il n'est pas question de Marie. 66 noms, parmi lesquels on ne trouve pas, sauf dans un seul cas, deux noms identiques, ni le prétendu père de Jésus. Peut-on imaginer cela? Dieu tout haut n'y figure pas? Dieu qui révèle sa généalogie en omettant son nom et en s'écartant du chemin? Une liste de 66 noms qui ne comporte pas le sien? Vous donnez une généalogie de 66 ancêtres à quelqu'un qui est né d'une vierge par intervention surnaturelle, puis vous venez nous dire que cela a été révélé par Dieu? Un homme qui a une telle généalogie, avec une intervention miraculeuse, ça n'est pas possible. Et nous disons, cela n'a pas été. Nous, les musulmans, frères Swigart, contestons vigoureusement vos procédés à l'endroit de ce grand envoyé. Nous disons que c'est un grand Messie envoyé par Dieu et qu'il naquit par intervention miraculeuse. Et le Coran l'atteste. Et c'est grâce au Coran qu'un milliard de musulmans dans le monde croient, sans exiger une quelconque preuve, que Jésus naquit par miracle, qu'il est le Messie, qu'il est la parole de Dieu révélée à Marie. Et demain, je traiterai ce sujet en parlant de Mohammed, successeur naturel de Jésus. Je suis prêt à répondre à vos questions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer toute ma gratitude à la communauté de votre ville qui m'a permis de partager la tribune avec le prédicateur le plus séduisant du monde,
Frère Jimmy Swaggart, c'est, je crois, un grand honneur pour moi. Et maintenant, pour 10 minutes, le révérend Jimmy Swaggart. Et j'ai bien regardé les Bibles qui se trouvent en possession de M. Didat. Le Coran dit, sourate 62, verset 5, « Comme l'âne qui porte des livres de grande valeur. » Ainsi, certaines personnes méconnaissent le trésor spirituel qui se trouve entre leurs mains. Quelle est la puissance de la Bible? Voilà un exemple de sa puissance et une preuve solide de la puissance de la Bible. Il y a quelque temps, j'ai effectué une visite en Afrique. J'étais avec un groupe de pasteurs qu'on m'avait présenté. Je discutais avec eux, je demandais. En fait, ce n'est pas moi qui ai posé la question, mais quelqu'un à qui l'on a demandé, comment êtes-vous devenu prêcheur de l'évangile de Jésus? Voyez-vous, Jésus ne peut être Messie, grand prophète et menteur en même temps. Ou bien il est celui qu'il a déclaré être, ou bien il est menteur. Et il n'est pas menteur. Voilà, dit cet homme, comment je suis devenu prêcheur de l'Évangile. Un de mes proches amis était chrétien et nous discutions souvent du christianisme et de l'islam. Et un jour, un jeune chrétien vient et dit, il y a un homme possédé par le démon. Vous savez, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 16, Jésus dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est un livre puissant. Des millions et des millions furent guéris par la volonté de Dieu en implorant Jésus Tout-Puissant. Et des millions furent délivrés des effets du mal et de l'esclavage causés par l'enfer et le supplice, comme il l'a dit. Par le pouvoir de la parole de Dieu Tout-Puissant. Et moi, je vous dis qu'un livre mort ne peut réaliser de tels résultats. Si vous visitez notre église, vous verrez que la moitié de ceux qui s'y trouvent étaient des alcooliques et des drogués, assaillis par tous les maux qui puissent accabler un être humain. Mais maintenant, ils sont libres par la puissance de Dieu. Ils se sont libérés au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant. La religion de Jésus réalise des résultats. Elle brise les chaînes du péché et comble les cœurs vides. Cet homme dit, je suis allé avec lui pour réciter une prière en faveur de cet homme possédé par le démon. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu une écume sortir de sa bouche. Je n'avais jamais vu un pareil cas. Mon ami a récité une prière pour sa guérison, dit cet homme, mais visiblement sans résultat concret. Puis il nous a laissés pour appeler un autre religieux. Et resté seul avec ce possédé, je me suis dit, je vais réciter une invocation moi-même. Ça donnera peut-être quelque chose. Et le possédé m'avait dit que mon ami avait invoqué Mohammed pour chasser le démon. Je lui demandais, et qu'est-il arrivé? Rien. Il a essayé à trois reprises de chasser le démon au nom de Mohammed, mais sans résultat. Rien. Et je ne vise pas à dénigrer Mohammed. Il aurait pu invoquer Abraham ou Moïse sans obtenir de résultat.
Et il aurait pu aussi le faire au nom de Pierre, sans que l'état du possédé ne s'améliore pour autant. Comme je vous le disais, je me suis dit, je vais essayer moi-même. Mon ami chrétien l'a déjà fait une fois. Je n'y crois pas, mais je vais quand même essayer. J'ai posé ma main sur lui et j'ai dit, au nom de Jésus, sors. Puis il me dit, frère Swaggart, croyez-moi, il fut guéri devant mes yeux par la puissance du Seigneur. Je sais que vous ne niez pas les miracles de Jésus, mais je tiens à vous rappeler, avant que je termine mon discours, qu'un homme mort ne peut pas réaliser des miracles. Je répète, un homme mort ne peut pas réaliser de miracles. Jésus-Christ est vivant. Il me reste 2 minutes. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon habit, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Et dans un jour proche, il retournera parmi nous, comme il l'a promis. Il a dit qu'il retournerait parmi nous. Toutes les prophéties qui sont citées dans ce livre se sont réalisées. Et cette prophétie ne s'est pas encore réalisée, elle le sera également. Chacun de nous ressent dans son cœur de la soif pour le Seigneur. Et Jésus-Christ seul peut assouvir cette soif parce que le Seigneur est plein d'amour. Il vous aime. Et ce livre dit qu'il vous aime. Malgré les péchés et l'injustice, il vous aime et désire se manifester réellement devant vous. Il n'est pas éloigné et il est facile de l'atteindre. Oui, par Jésus-Christ, vous pouvez vous rapprocher de lui, l'aimer et l'adorer. Et il vous aimera parce que son livre dit qu'il en est ainsi. Je vous remercie. Let us acknowledge both these fine gentlemen. Let us acknowledge both. Rendons hommage à ces deux grands hommes. Mesdames et messieurs, c'est votre tour maintenant. Nous allons distribuer quelques feuilles pour écrire les questions que vous désirez poser soit au révérend Jimmy Swaggart, soit à frère Ahmed Didat. Ahmed Didat, le Coran que nous avons aujourd'hui, est-ce le même Coran original qui a été révélé? Est-il vrai que les premières copies du Coran ont été brûlées? Il existe ce qu'on appelle le Coran d'Osman. Vous savez que le calife Osman, frère Swaggart, a dit qu'il y avait plusieurs variantes du Coran et que ces textes furent brûlés sur ordre d'Osman. Pour expliquer cela, je prends pour exemple ses propres paroles. Si quelqu'un voulait résumer les propos de frère Swaggart, il découvrirait que certains noms propres ont été mal prononcés. Nous ne lui faisons pas de reproche parce qu'il a mal prononcé le nom d'Osman. La façon dont il a prononcé le nom d'Omar est encore plus affreuse. Nous ne disons rien parce que vous n'êtes pas habitué à prononcer nos noms. Mais si on lisait le résumé que cette personne aurait fait de vos propos,
On ne pourrait pas savoir que vous parliez d'Osman, le troisième calife dans l'islam, ou d'Omar, le deuxième calife dans l'islam. Quant au nom de Hafsa, vous l'avez prononcé correctement. Alors imaginez que je veux fixer par écrit le discours de frère Swaggart. Pensez-vous que je le laisserai en l'état? Savez-vous ce que signifie une prononciation incorrecte du nom d'Osman? Son nom n'est pas Osman, mais Osman. Et voilà pourquoi je le corrige. Je le fais par souci de fidélité. Et ce qui s'est passé, c'est que les livres hébreux et les livres arabes étaient écrits sans les voyelles brèves ni les voyelles longues. Ceux qui parlaient ces langues comprenaient le sens du texte. Mais un étranger ne pouvait pas lire correctement sans les voyelles brèves et longues. Par exemple, si on écrit en anglais, l'homme dormait sur le lit, et si on enlève la voyelle E du mot bed, qui veut dire lit en anglais, vous lisez bed, et non bid, ni bad, ni bod, parce que vous savez qu'il s'agit du même mot bed, même sans la voyelle. Votre sens linguistique vous aide à rajouter instinctivement la voyelle et à comprendre que les deux lettres B et D désignent le mot bed tronqué. L'arabe et l'hébreu avaient conscience de cette particularité dans leurs langues respectives. Ainsi, lorsque l'arabe s'est répandu dans les autres pays, l'étranger ne savait même pas prononcer l'expression « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » en l'absence des voyelles longues et brèves. Il se demandait s'il fallait prononcer « Halamdu » ou « Hilhamdu ». Ainsi, lorsque les autres peuples embrassèrent l'islam, ils prononcèrent la langue comme ils l'entendaient, puis elle fut écrite de cette manière déformée. C'est pareil en anglais. Certains de mes concitoyens prononcent le mot « divorce » comme en anglais « divorce ». Je pourrais citer d'autres exemples. Iron. Que faire alors? Les Anglais prononcent certains mots différemment des Américains. Heureusement, la parole reste la même. Mais si cela entraîne une déformation de la parole, vous interviendrez pour changer cela. Ainsi, concernant ces lectures différentes, avec des prononciations différentes, nous disons que le Coran fut révélé dans le dialecte de Quraysh, la tribu de Mohammed, et qu'il fallait garder cette prononciation et exclure toute autre prononciation qui serait différente de celle de Quraysh. Quant au Coran édité au temps d'Osman, il est conservé au musée à Istanbul, en Turquie. Frère Swaggart, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que l'entrée au paradis est réservée exclusivement à 144 000 rachetés, tous juifs, membres des 12 tribus. Pourriez-vous m'expliquer cela? Et quel est le sort des non-juifs comme nous? C'est là votre question? C'est ma question. Les 144 000 cités dans le livre de l'Apocalypse, comme vous dites, qui sont membres du peuple juif, 12 000 de chaque tribu, n'ont pas de rapport avec les non-juifs. Ces 12 000 furent choisis de chaque tribu pour le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus, sauveur et rédempteur. C'est pour cela que le paradis leur fut promis. Cela n'a rien à voir avec le salut des autres millions de créatures qui sont venues au Seigneur. Ça n'a pas de rapport avec les non-juifs. Il parle de ces 144 000. Il dit aussi que tous ceux qui croient en la parole de Dieu seront sauvés. Donc le salut est aussi accordé à tout non-juif qui croit en la parole de Dieu. Je crois que j'ai répondu à votre question. Frère Ahmed, Jésus dit, « Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Évangile selon Marc, chapitre 12, versets 29 à 30. Les musulmans sont d'accord avec les chrétiens pour dire qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Comment les musulmans peuvent-ils aimer le Seigneur sans changer leur cœur? Changer le cœur. Regardez les musulmans. Regardez-les. Jésus dit, un arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Et il dit, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne produit pas du bon fruit. C'est ça l'essentiel, le fruit. L'islam a créé la plus grande société humaine où les boissons alcoolisées sont prohibées.
Il existe dans le monde 1 milliard de musulmans qui, dans l'ensemble, ne boivent pas de boissons alcoolisées. C'est cela le fruit. Mes frères de race, qui sont les gens les plus racistes de la planète, vous, vous connaissez les hindous en Inde, la confession des hindous, la caste supérieure, la communauté dont je suis issu. Cette communauté qui était la plus raciste au monde change. Elle ne distingue pas entre le noir et le blanc, ni entre le pauvre et le riche. Elle change. Ils sont tous frères. Et malgré tous les prêches en faveur du christianisme, Jésus change la vie des hommes. Ta nature première se dissipera et tu recevras une nature neuve. Je dis, regardez, dans cette grande puissance, les États-Unis, il existe, selon frère Swaggart, 11 millions d'ivrognes et 44 millions d'alcooliques. C'est votre nation. Frère Swaggart ne trouve pas de différence entre ces 55 millions. Pour lui, ils sont tous alcooliques. Dans l'islam, les boissons alcoolisées sont interdites en toutes circonstances. Le prophète Mohammed dit « Ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Ni peu ni trop. Interdiction totale. » Le Coran prescrit, il s'adresse à tous les croyants, c'est-à-dire à tous les boissons alcoolisées, c'est-à-dire les jeux de hasard. Et frère Swaggart écrit dans son ouvrage sur les jeux qu'on gaspille 54 milliards de dollars dans les jeux. Les jeux de hasard, c'est-à-dire la divination par les entrailles des victimes, c'est-à-dire le tirage au sort, c'est-à-dire un acte impur de ce que fait Satan, c'est-à-dire évitez-le, peut-être récolterez-vous le succès. Les tonneaux de vin furent vidés dans les rues de Médine et ils sont restés vides depuis. C'est cela le fruit des préceptes de l'islam. Quel est le fruit de 2000 ans de prêche? Vous, vous avez le pouvoir d'accomplir des miracles. Jésus ressuscite les morts et guérit les malades alors que Mohammed ne le pouvait pas et qu'au nom de Mohammed, rien ne s'accomplit. Et moi, je dis que vous ne lisez pas l'Évangile. Jésus-Christ dit, beaucoup d'hommes viendront et diront, je suis le Messie, et accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. L'Antéchrist peut faire cela. L'Antéchrist peut accomplir des miracles. Le faux prophète peut accomplir des miracles. Est-ce là la preuve de l'authenticité de la foi? Non. Jésus dit à ceux qui parlent, tout le temps de miracles, dans l'Évangile selon Matthieu, ce jour-là, le jour du jugement dernier, beaucoup viendront à moi et diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé, chassé les démons et accompli de nombreux prodiges, en votre nom, au nom de Jésus, n'avez-vous pas fait tout cela? En votre nom, n'avons-nous pas fait tout cela? Il dira oui, puis il dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui êtes pécheurs. Expliquez-moi cela. Il parle de vous. Ce n'est pas aux Juifs qu'il dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Ce n'est pas aux Hindous, ni aux mécréants qu'il dira, éloignez-vous de moi. Mais c'est à vous qu'il le dira. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous dira-t-il, je ne vous connais même pas, éloignez-vous de moi? Donc, les miracles ne sont pas une preuve. Jean-Baptiste, que Jésus décrit comme étant l'un des grands envoyés, et dont il dit parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste n'a pas accompli de miracle. A-t-il accompli un seul miracle? Pas du tout. Les miracles ne sont donc pas une preuve. Mais le grand miracle, c'est lorsque les nations changent et se transforment sans miracle. 1 milliard d'êtres humains ne boivent pas d'alcool grâce aux enseignements de Mohammed. Monsieur Swaggart, quel sera après leur mort le sort des musulmans qui croient en Jésus mais ne croient pas qu'il est Dieu ni fils de Dieu? L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de salut dans le paradis sauf par le Seigneur Jésus. La foi en Jésus, faiseur de miracles, prophète et grand maître, ne suffit pas. Il faut croire à l'idée que Jésus fut crucifié pour le salut de votre âme. Le péché cause de grandes souffrances à l'homme. Le péché n'est pas un simple acte que nous commettons. Ce n'est pas non plus une force agissante.
C'est une nature dans l'homme. Nous ne pouvons pas supprimer cette nature simplement en coupant la main du pécheur. Il faut pour cela que vous puissiez toucher son cœur. Si tous les musulmans dans le monde sont heureux et satisfaits de ce qu'ils ont, pourquoi alors des milliers d'entre eux regardent mes émissions à la télévision? Secondement, les chrétiens sincères ne boivent pas non plus de boissons alcoolisées. Changement dans son cœur. Le changement ne peut se produire de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Et Jésus seul peut provoquer ce changement. S'abstenir de boire ne suffit pas. S'interdire de jouer au jeu de hasard ne suffit pas. Et la simple observance des préceptes ne suffit pas. Le christianisme, dans son essence, n'est pas une religion. Il n'est pas un recueil de commandements et d'interdictions. Vous ne pouvez pas obtenir le salut pour lequel il a été crucifié. Et lorsque nous croyons en lui, c'est la nature même du péché qui est anéantie. Lorsque l'homme cesse de boire de l'alcool, ce n'est pas de peur qu'on lui coupe la main, le doigt, le nez ou un quelconque autre membre, mais parce qu'il a perdu le désir de boire. Et vous devez croire que Jésus est votre sauveur et que l'Évangile est notre Évangile à nous tous et non à une poignée d'élus. Car c'est ainsi que Dieu a aimé l'humanité. À propos, le mot « begotten » signifie aussi « produire ». Dieu a produit son Fils. Ahmed Didat. Ahmed Didat. Le Coran dit-il que la Bible est un guide pour l'humanité? Non, le Coran ne dit pas que la Bible est un guide pour l'humanité. La Bible ne le dit pas non plus. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres prêcher, il leur a dit « N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. » Je me demande, quelle différence avec la position des Américains et des Anglo-Saxons à l'égard de tels juifs du peuple d'Israël? Ensuite, il nous dit, lorsqu'une femme, une femme grecque, demanda à Jésus de guérir sa fille, il se détourna d'elle, mais elle se tourna de l'autre côté et l'empêcha de partir. Et ses disciples lui dirent alors, « Aide-la, elle te demande avec insistance, comme un naufragé qui s'accroche à une paille, guéris sa fille. » Jésus leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël, aux Juifs. » Alors les disciples dirent, « Aide-la. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. Qui sont ces chiens? Ce sont les non-Juifs, comme vous et moi. À part les Juifs, toutes les créatures sont des chiens et des porcs, comme le dit Jésus, ou comme le dit votre évangile. Il dit, « Ne jetez pas ce qui est sacré aux chiens. Ne jetez pas la nourriture aux porcs. Sinon, ils se retournent et vous mettent en pièces. Qui sont le chien et qui sont les porcs? Ce sont les non-juifs. » La femme affligée dit, « Seigneur et maître, même les chiens mangent les miettes de la table à leur maître. » Il répondit, « Donnez-lui des miettes de pain. » Voilà ce que dit votre livre. Et cela est malheureusement attribué à Jésus. J'aurais souhaité entendre ce que Jésus a réellement dit. En un autre endroit, Jésus, dans un autre passage, à propos du salut, a dit, « En vérité, je vous l'affirme, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu demande mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le paradis vous sera fermé tant que vous ne serez pas meilleur que les Juifs. Comment pourriez-vous être meilleur que les Juifs si vous n'observez pas la loi et les commandements? Dites-le-moi. » Mr. Swaggart. Monsieur Swaggart, d'après les preuves données par Ahmed Didat, la Bible que vous avez en main n'est pas la parole de Dieu.
Avez-vous la preuve que ce qu'il dit est faux? J'entends par preuve autre chose que la foi. Je pense que ce soir, j'ai démontré, sans l'ombre d'un doute, que la Bible est la parole de Dieu. Et je me demande quelles autres preuves il faut encore fournir. Vous pouvez lire la Bible et ne pas y croire. Mais le Seigneur nous a demandé d'y croire pour être reçus dans le royaume des cieux. Si malgré ces preuves évidentes, le lecteur n'y croit pas, c'est qu'il ne veut pas y croire. C'est le propos tenu par le Seigneur à un homme riche dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Celui-ci lui demanda d'envoyer quelqu'un de chez les morts pour avertir ses frères. Et Jésus lui répondit, « S'ils ne veulent pas écouter les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si l'un des morts revenait à la vie. » Ainsi, il n'y a pas de preuve qu'on puisse apporter à l'incroyant pour le ramener à la foi. Et je cite de nouveau mon texte favori, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré par lui, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je termine en disant, « Monsieur, je suis la preuve qu'il dit la vérité parce qu'il a sauvé mon âme. » Ahmed Didat, pouvez-vous citer des versets du Coran qui disent que la Bible a été falsifiée? Sinon, dites-nous quand et par qui et où la falsification a eu lieu. Monsieur le Président, chers frères, j'ai commencé mon discours de ce soir par des versets coraniques. Je ne cherchais pas à vous hypnotiser ni à vous ensorceler. Je ne faisais que répéter des textes du Coran qui énoncent que le livre dont parlent les chrétiens, la Bible, n'est pas la parole de Dieu. Et je vais de nouveau citer et traduire ce verset. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. C'est-à-dire, malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent, ceci vient de Dieu. C'est-à-dire, pour en tirer quelques vils prix, comme ces 15 millions de dollars qui représentent le bénéfice net des ventes de la version standard revue et corrigée. Ces 15 millions sont insignifiants en comparaison avec la vie éternelle, en comparaison avec le bonheur et le salut promis par le Seigneur. 15 millions de dollars, c'est rien du tout. C'est-à-dire malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. C'est-à-dire malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. En réalité, je n'ai pas cessé de vous donner des preuves. Je vous ai expliqué le sens de ce verset du Coran sans rentrer dans les détails parce que le temps m'était compté. Il avait été convenu d'accorder une heure à chacun, mais pour des raisons inconnues, mon temps de parole fut amputé de 20 minutes. Alors j'étais obligé de tout résumer. J'aurais pu m'étendre plus longtemps sur le sujet, mais j'ai préféré garder cela pour demain. L'exposé que j'ai fait était plutôt un commentaire. Je voulais simplement dire que ce livre fut écrit de leurs propres mains et vous, vous ajoutez et supprimez à votre guise. Et cela, comme vous le constatez, est une preuve suffisante. Le livre que vous avez est la preuve éclatante que les écritures ont été falsifiées. Vous n'avez pas cessé de les modifier. De ces 24 000 manuscrits, il n'y en a pas deux qui soient concordants. Je répète, il n'y en a pas deux qui soient concordants. Monsieur Swaggart, y a-t-il dans l'Ancien Testament des textes qui annoncent la venue du prophète Mohammed après Jésus?
En général, toutes les religions cherchent à retrouver la Bible dans leur doctrine. Et c'est le cas du Coran. Le Coran prétend que la venue de Mohammed est annoncée dans l'Évangile. Mais Mohammed n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Je sais que vous pensez au livre du Deutéronome, mais son nom n'est pas cité. Le passage auquel vous pensez désigne Jésus. Le nom de Mohammed n'est mentionné nulle part, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ahmed. Monsieur Ahmed Didat, que pensent les musulmans du fait que les malades sont guéris au nom de Jésus? Je n'hésite nullement à admettre ce phénomène. Cela peut arriver. Dans la religion hindoue, les êtres accomplissent des miracles. Dans l'islam, les êtres accomplissent des miracles. Et au nom d'un faux prophète, on peut accomplir des miracles. Je vous rappelle ce que Jésus dit à la femme qui souffrait de perte de sang depuis des années et qui fut guérie en touchant le bord de son vêtement. Jésus, qui avait senti que quelqu'un lui touchait sa robe, se retourna et déclara, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » La foi en un faux prophète peut accomplir des miracles. C'est ce que dit Jésus. Beaucoup viendront et diront, « Je suis le Messie » et accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper si possible ce que Dieu a choisi. Même les apôtres de Jésus peuvent être trompés par de tels miracles. Et pour cela, les miracles ne sont jamais une preuve d'authenticité. Monsieur Jimmy Swaggart, pourquoi l'Ancien Testament ne mentionne-t-il pas que Jésus est fils de Dieu? Si la réponse est si, je vous demande de bien vouloir nous lire le texte. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit, « Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La Vierge va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel. Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Je vous remercie, monsieur. Ahmed Didat, peut-on nier que Dieu est capable de conserver éternellement sa parole, la Torah, l'Évangile et les autres Écritures révélées? Ce que j'ai essayé de prouver ce soir, c'est que les Écritures ne furent pas conservées. Vous me posez la même question. Les Écritures ne furent pas conservées. Si elles l'avaient été, nous serions prêts à les reconnaître. Qu'est-ce qui a été conservé? Ce qu'elles contiennent est la cause de toute cette turpitude. Comme ce texte licencieux que je vous ai mis en défi de lire. Frère Swaggart disposait de 10 minutes de parole, ce qui était largement suffisant pour lire ce petit texte du livre d'Ézéchiel. J'ai dit que personne n'oserait le lire dans son église. J'ai dit que vous n'oseriez pas le lire parce qu'il n'est pas une parole divine. Si c'était une parole révélée, vous n'en auriez pas honte. Si Dieu Tout-Puissant n'a pas eu honte de révéler en détail la prostitution de ses deux sœurs, pourquoi ressentiriez-vous de la honte vous-même? Êtes-vous plus pieux que le Seigneur? C'est ce qui ressort de votre attitude, que vous êtes tellement pieux que vous n'osez pas répéter ce que Dieu Tout-Puissant a inspiré. Êtes-vous plus saint que Dieu? Bien sûr que non. La vérité, c'est que ceci n'est pas la parole de Dieu, que les Écritures furent falsifiées et que la Torah dont vous parlez n'est pas l'Ancien Testament. Vous dites que la Bible fut écrite par 40 personnes. 40 personnes ont écrit la Bible. Quand nous disons que nous croyons à la Torah, cela veut dire que nous croyons à la parole révélée à Moïse. Mais Dieu n'a pas révélé ce livre. Frère Swaggart reconnaît que la seule chose écrite par Dieu, ce sont les tablettes que Moïse a détruites et jetées. Quant aux 5 premiers livres de la Bible, s'ils avaient été écrits sur des tablettes, il nous aurait fallu un gratte-ciel pour pouvoir les conserver.
Où Moïse a-t-il conservé les cinq livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome? Où les a-t-il conservés? Non, ils ne sont pas les livres de Moïse. Et pour quelle raison Moïse outrageait-il le prophète Lot, son frère, en décrivant l'inceste commis avec ses deux filles? Pourquoi faire? Reuben, un des fils de Jacob, commet l'inceste avec sa mère. Pourquoi? Et Judas, père du peuple judaïque et du judaïsme, commet l'inceste avec sa belle-fille sur le bord de la route. En se rendant à Tima, il voit cette femme assise au bord du chemin. Il lui dit, « Laisse-moi venir avec toi. » Elle répond, « Que me donneras-tu pour cela ?» Il dit, « Un chevreau de mon troupeau. » Elle réplique, « Quel gage me donnes-tu ? Quel gage veux-tu » demande-t-il. Elle répond, « Ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. » Et il les lui donne, et il va avec elle, sa belle-fille, et il lui donne deux jumeaux, Pérès et Zéra, que vous citez dans la généalogie de Jésus. Deux enfants issus d'un acte incestueux que vous citez parmi les ancêtres de Jésus. Matthieu dit, chapitre 1, verset 1, « Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendants de David, qui était lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Judas et de ses frères, et Judas fut père de Pharès et de Zara, leur mère était Tamar. » Consultez vos livres. Vous trouverez au chapitre 38 de la Genèse que Judas a commis l'inceste avec sa belle-fille et qu'elle lui a donné deux enfants qui figurent parmi les ancêtres de Jésus. Dites-moi, comment peut-on raconter de telles choses dans un livre inspiré par Dieu? Comment peut-on mentionner cela dans la généalogie de quelqu'un qui, en vérité, n'a pas d'ancêtre du tout? Mr. Swaggart voudrait-il accéder à la demande d'Ahmed Didat et lire les textes de la Bible dont il est question? Je pense qu'il s'agit de ces passages visés par M. Didat pendant son discours. Il me semble que M. Didat cherche toujours à répondre à des questions qui ne se sont jamais posées. Ézéchiel, chapitre 23. Le Seigneur m'adressa la parole. Ézéchiel, dit-il, voici l'histoire de deux sœurs nées de la même mère. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles devinrent des prostituées en Égypte où elles vivaient. C'est là que pour la première fois, on caressait leur poitrine. Là que leurs seins de jeunes filles furent touchés. L'aînée s'appelait Ohola et la cadette Oholibama. La première représentait Samarie et la seconde Jérusalem. Je les épousai toutes deux et elles me donnèrent des fils et des filles. Mais Ohola se prostituait bien qu'elle fût à moi. Elle éprouva du désir pour ses voisins, les Assyriens, et prit parmi eux ses amants. Ils portaient des costumes de couleur pourpre à cause de leur fonction de gouverneur et de magistrat. C'étaient des hommes jeunes, séduisants et d'habiles cavaliers. Ohola accorda ses faveurs à ses hauts fonctionnaires assyriens et chaque fois qu'elle s'éprenait de l'un d'eux, elle se souillait en adorant leurs sales idoles. Elle continua la vie de prostituée qu'elle avait menée en Égypte. Là, déjà quand elle était jeune, des hommes couchaient avec elle, caressaient ses seins de jeune fille et l'entraînaient dans la débauche. Alors je l'ai abandonnée entre ses mains de ses amants, les Assyriens dont elle s'était éprise. Ils l'ont entièrement déshabillée et l'ont passée par l'épée après avoir emmené ses fils et ses filles. Elle a subi ainsi un châtiment qui fut un exemple pour les autres femmes. Sa sœur, Ololiba, en fut témoin. Pourtant, dans ses passions, elle fut encore plus corrompue qu'Ohola. Elle se prostitua de façon encore pire. Elle aussi éprouva du désir pour les gouverneurs et les magistrats assyriens, ses voisins magnifiquement vêtus, qui étaient habiles cavaliers et des hommes jeunes et séduisants. Elle aussi s'enfonça dans l'immoralité, je le constatais. Les deux sœurs avaient vraiment la même conduite. Cependant, Oholiba alla encore plus loin dans la débauche. Un jour, elle fit des hommes dessinés et peints en rouge sur un mur. Ils représentaient les Babyloniens. Voulez-vous que je continue?
Voulez-vous que je poursuive jusqu'à la fin ? Verset 19. Mais elle se prostitua de plus en plus et se conduisit de façon aussi immorale que dans sa jeunesse en Égypte. Là, elle avait éprouvé du désir pour des débauchés à la sexualité bestiale et effrénée comme celle des ânes ou des étalons. Voulez-vous que je continue ? Ça suffit ? Bon, je réclame les $100 tout de suite. Je pense que les musulmans tiennent leurs promesses. C'est tout ce que j'ai. Je vous donne tout ce que je possède. Voilà les $100. Cet homme a plein de dollars dans ses poches. S'il rentre en Afrique du Sud avec tout cet argent, il aggravera l'endettement des États-Unis. Je ne connais pas vos dispositions ici, en tant que musulman. Mais j'offre les $100 en contribution à votre action et au paiement de la location de la salle. Monsieur Didat, vous avez dit que l'islam croit que Jésus est né d'une vierge. Puis vous avez ajouté que Dieu n'a pas engendré ni ne fut engendré. Pourtant, l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 34 et 35, à propos de la naissance de Jésus, dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance de Dieu très haut. » Comment expliquez-vous cela? Voyez-vous, frère Swaggart a suggéré dans son discours que le Coran est une fausse copie des récits bibliques. Permettez-moi de vous citer quelques exemples. Il s'agit d'une comparaison entre vos textes et ce que dit le Coran à propos de la naissance de Jésus. Si je peux. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Cela signifie, le Seigneur Tout-Haut t'a choisi et purifié. Il t'a élu parmi toutes les autres femmes, ainsi le Coran parle de la faveur et de l'honneur accordé à Marie par Dieu. Elle est une femme choisie parmi toutes les autres femmes. Cela veut dire, ô Marie, sois fidèle au Seigneur, n'adore que lui et n'obéis qu'à lui. Prosterne-toi et courbe-toi avec ceux qui se prosternent et se courbent. Cela veut dire, cela fait partie des nouvelles de l'inconnu que nous t'inspirons. Ô Mohammed, tu n'étais pas parmi eux alors qu'ils jetaient leur calomnie pour savoir qui d'entre eux prendrait Marie à sa charge, et tu n'étais pas parmi eux alors qu'ils se disputaient. Inna Allaha yubashiruki bi kalimatin minhu. That God Almighty gives you glad tidings. Je ne vous dirai pas plus, je laisserai ça à demain, si Dieu le veut. Mais le Coran poursuit. Il sera proche de Dieu, mais les chrétiens disent qu'il sera assis à droite de Dieu. Nous, nous disons qu'il est proche de Dieu, non matériellement, mais spirituellement. Et quand Marie reçut cette annonce concernant la naissance de Jésus, elle se demanda, « Seigneur, comment pourrais-je mettre au monde un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» L'ange répondit, « C'est ainsi que le Seigneur crée ce qu'il veut. » Et là est la bonne nouvelle. C'est ainsi que le Seigneur crée ce qu'il veut. Quand il décide ou veut une chose, il lui suffit de dire « soit » pour qu'elle soit. Voilà la conception des musulmans à propos de la naissance de Jésus. Dieu peut créer Jésus sans père humain, comme l'éclair. Et s'il le veut, il peut créer 1 million d'êtres comme Jésus, sans père ni mère, comme l'éclair, comme ça.
Comparons cette conception avec celle enseignée par l'Évangile. J'ai eu une discussion avec le pasteur Dunker, chef de l'association de la Bible à Johannesburg. J'étais sorti pour acheter la Bible. Lorsqu'il vit cette barbe et constata mon intérêt pour ce livre, il m'invita à boire le thé avec lui. Je lui expliquai le problème et il fut étonné de mes connaissances sur la Bible. Il me dit, « On dirait que ceci et la Bible sont pareils. » Je répondis, « Oui, en apparence, ceci et la Bible sont pareils. » Chacun de nous essaie de dire la même chose, que Jésus naquit par une intervention surnaturelle. Mais lorsqu'on examine les deux livres de plus près, on découvre que la différence entre le Coran et la Bible, c'est comme la différence entre la craie et le fromage. Je ne sais pas si les Américains comprennent cette explication. Les Canadiens ne la comprennent pas parce qu'ils n'ont pas connu la craie. Le fromage et la craie sont deux choses complètement différentes. Le Coran dit, quand Dieu veut créer une chose, il lui suffit de dire « soit » pour que la chose soit créée. Quant à la Bible, il explique à propos de cette même question, comment la chose s'est produite. « Je n'ai jamais connu un homme, dit l'Évangile. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu tout haut te couvrira, comme une ombre. » Cette façon d'enseigner encourage les mécréants à vous défier. Car comment le Saint-Esprit vient-il sur Marie, et comment Dieu tout haut la couvre-t-il, comme un homme le fait avec sa femme? Comment? Non, ce n'est pas du tout comme ça. Le problème réside dans la langue. Le verset coranique dit, « Si Dieu veut une chose, il lui suffit de dire « soit » pour que la chose soit créée. La langue de l'Évangile est une langue terrestre. Puis-je demander au révérend Dunker, des deux versions sur la naissance de Jésus, celle du Coran et celle de l'Évangile, laquelle choisissez-vous si vous voulez raconter ça à votre fille? Croyez-moi, il baissa la tête et me dit, je préfère que ce soit le texte du Coran. Frère Swaggart, qu'entendez-vous par le mot « unique » À moins d'enfreindre le règlement, je propose que cette question soit la dernière. Nous sommes là depuis 2 heures. Il nous reste un quart d'heure. Oh, je m'excuse, entendu. Lui, il est payé à l'heure, mais moi, je ne touche rien du tout. J'ai quand même gagné 100 dollars. Dans l'ancien manuscrit grec, le mot « unique » signifie personne ne lui était égal et personne n'est égal au Fils de Dieu. Personne non plus n'était égal à Marie qui a mis au monde le Fils de Dieu, comme on vient de l'expliquer avec éloquence. Cela veut simplement dire que personne ne lui était égal et personne ne lui sera égal. Il était unique en tant que Fils de Dieu et incarné en être humain. À propos, nous les chrétiens, nous ne croyons pas à l'existence de 3 dieux. Et nous ne croyons pas que Dieu est marié et réside dans un appartement dans les cieux, ni qu'il a engendré des enfants. Nous ne croyons pas à cela. Et nous n'enseignons pas de telles stupidités. Nous croyons que Dieu, par amour et par pitié pour les hommes, est descendu sur cette planète, qu'il a vécu avec eux, marché avec eux, et parler avec eux. Il s'est incarné et s'est fait homme pour mourir sur la croix du calvaire en rédemption de nos péchés. L'être humain est incapable de trouver le salut par lui-même. Et il a fait ça et il a dit, « Vous allez tuer ce corps, et dans 3 jours, je reviendrai à la vie. » Il est unique en cela aussi. Il était unique dans ses prophéties, unique dans sa naissance, unique dans sa vie, unique dans ses miracles, unique dans son message, unique dans sa mort, unique dans sa résurrection, unique dans son ascension. Et quand il retournera sur terre, il sera unique dans son retour. Monsieur Didat, nous vous avons invité dans notre pays chrétien pour participer à un débat dont le sujet est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Avez-vous le courage aujourd'hui d'inviter le révérend Swaggart à un débat sur le même sujet à la Mecque? Si la réponse est non, dites-nous pourquoi.
Voyez-vous, si vous demandez, êtes-vous prêt à débattre avec le révérend Swaggart dans toutes les villes américaines, je répondrai, je suis prêt maintenant à offrir $10,000 pour chaque débat dans des endroits comme Madison Square Garden à New York, dans des endroits comme celui-là, $10,000 pour chaque débat. 4 débats aux États-Unis à $40,000. Quant à savoir si je peux l'inviter à la Mecque, premièrement, je ne suis pas gouverneur de la Mecque. Deuxièmement, pour pouvoir se rendre à la Mecque, il faut un visa. Pour venir aux États-Unis, votre gouvernement a exigé de moi un visa. Et j'ai accompli toutes les formalités demandées pour obtenir le visa. Voilà, je suis venu ici, et de même, une fois, j'ai voulu me rendre en Zambie. Et lorsque la Zambie a obtenu l'indépendance, j'ai décidé de faire un voyage dans ce pays. À cette époque, Smith était le président de la Rhodésie du Sud. On m'a donné des formulaires à remplir pour obtenir le visa. Et on a exigé de moi que je signe au dos du document une déclaration comme quoi je ne reconnaissais pas le gouvernement illégitime de Smith avant d'obtenir le visa. Et j'étais obligé de signer parce que je voulais aller en Zambie. J'ai donc signé une déclaration attestant que je ne reconnaissais pas le gouvernement illégitime de Smith en Rhodésie du Sud. Il en est de même pour aller aux États-Unis. Je dois remplir vos conditions et faire ce que vous demandez. Si je le fais, j'obtiens le visa. Sinon, je n'aurai pas le visa ni pour le Canada, ni pour les États-Unis. Les citoyens d'Afrique du Sud doivent remplir des conditions pour obtenir le visa. Maintenant, au sujet de votre visite à la Mecque, il y a une seule condition. Vous devez déclarer avec vos lèvres. Cela veut dire, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, qu'il n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ni le Seigneur Jésus, que vous dites, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est le dernier des envoyés de Dieu. Remplissez cette condition et bienvenue à la Mecque. Monsieur Swaggart, selon vous, la version du roi James de la Bible est nécessaire au salut. Cela voudrait-il dire que toute personne adoptant une autre Bible sera vouée à l'enfer, tels que les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, les juifs, etc. Je n'ai jamais dit qu'il fallait croire à la version du roi James pour trouver le salut. Ce sont des balivernes. Avant de répondre à la question, si vous ne m'autorisez pas à aller à la Mecque, permettez-moi de passer à la télévision. Monsieur Didat a parlé de la version de Dieu de la Bible. Monsieur, nous croyons à la version traduite par Dieu. Nous ne reconnaissons pas ces livres falsifiés que vous avez mentionnés. Mais nous croyons à la traduction de Dieu et nous pensons que c'est une bonne traduction. Il n'est pas nécessaire de croire à une version particulière de la Bible pour trouver le salut. Vous devez croire en la parole de Dieu pour que le salut vous soit accordé. Et encore une fois, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur sous les cieux et que le salut est donné par la foi et non par les actes, source de vanité. Le salut s'obtient par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important pour moi, c'est la parole de Dieu elle-même, et non le livre qui contient la parole de Dieu. Avez-vous le Coran, monsieur? Puis-je? Ok. Any word of God. J'aurais souhaité qu'il en apporte un exemplaire. Toute parole de Dieu contenue dans ce livre, si elle se rapporte au salut et si vous y croyez, le salut vous est donné. Vous me suivez? Si c'est la parole de Dieu, si elle se rapporte au salut, à la rédemption, même si elle est inscrite sur un mur, dans quelque endroit qu'il soit, pour être sincère avec vous, elle est écrite dans nos cœurs. C'est ce que nous dit la Bible. Vous pouvez apprendre par cœur ce livre et l'adorer.
mais vous ne serez pas sauvé pour autant. Il n'a pas le pouvoir de vous sauver, tandis que la parole de Dieu, si vous y croyez, c'est-à-dire si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, vous apportera le salut, même si elle se trouve dans le Coran. Monsieur Didat, quelle est l'attitude du musulman à l'égard des textes coraniques discordants? Peut-on, à cause d'une telle discordance, considérer tous les autres textes comme des mensonges, comme vous l'avez affirmé à propos de la Bible? Je le répète encore une fois, il n'existe pas de texte discordant dans le Coran. J'ai dit qu'il existe seulement des traductions. Quant à vos livres, ce sont des textes. Dans sa réponse sur la question précédente, frère Swaggart a dit qu'il y avait 7 livres falsifiés. La version de Diouf comprend 7 livres qu'il ne reconnaît pas. Pour cela, ce livre est une version. Et dans cette version, il y a 7 livres qu'il ne reconnaît pas comme étant d'inspiration divine, alors que toute version traduite du Coran est une traduction de la parole de Dieu. Et dans la traduction, c'est nous qui choisissons les termes. Il ne s'agit donc pas de texte, mais ceci est une version, et cela est une version. Des passages furent supprimés des textes qui se trouvent là. Ce sont des versions différentes. J'espère que vous comprenez mon anglais. Je ne sais pas comment faire pour être plus clair, car il s'agit de textes différents. Il y a ici 7 livres qui ne se trouvent pas là. Ce qui est ici est inexistant, et ce qu'on trouve ici est supprimé là encore une fois. Avez-vous compris? C'est une version. Je ne sais pas comment. Révérend Jimmy Swaggart, qu'est-ce que la Trinité? Nous croyons, selon la parole du Seigneur, qu'il n'existe qu'un seul Dieu, et non 2, 5, 10, 12 ou 15, et qu'il se manifeste dans 3 personnes, 3 êtres différents. Nous croyons à l'existence du Père céleste, à celle du Fils divin, et nous croyons à l'Esprit Saint, qui a couvert Marie de son ombre, comme le disait M. Didat. Il est une personne divine également. Et les 3 personnes forment un tout indivisible, c'est-à-dire qu'elles coexistent avec harmonie et sont d'une même et unique substance éternelle. Nous croyons que si vous montez au ciel, vous trouverez Jésus-Christ, Fils du Seigneur, assis, comme le dit la parole de Dieu, à droite du Père. Et il conservera éternellement son trône. Voilà, sommairement, ce que signifie la Trinité pour nous. Nous avons le temps pour 2 questions de plus. Monsieur Didat, croyez-vous à l'Esprit Saint et pourquoi? Comme vous le savez, le Saint-Esprit dans la doctrine chrétienne est la 3e personne d'une Trinité. Le chrétien dit « le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas 3 dieux mais un Dieu unique ». Et dans ses enseignements, il dit « le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, mais ils sont un Dieu unique tout-puissant et non 3 dieux tout-puissants ». Puis il poursuit, le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que dit le frère Swaggart dans son livre, personne, personne, personne. Mais ils sont une personne unique et non 3 personnes. Et moi je vous demande, en quelle langue parlez-vous? Parlez-vous en anglais? Par Dieu, c'est une hérésie incompréhensible. Il dit, personne et personne et personne, mais ils ne sont pas 3 personnes, mais personne unique. Je demande à frère Swaggart, supposez que vous avez 2 autres frères et que vous êtes tous les 3 jumeaux et que vous êtes identiques à tel point qu'il est impossible de vous distinguer l'un de l'autre. Si l'un d'entre vous commet un crime, a-t-on le droit de prendre l'autre? De pendre l'autre? Non. Et si je vous demande pourquoi ne peut-on pas pendre l'autre, vous me direz, c'est une autre personne. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui le rend différent? Sa personnalité distincte. C'est pourquoi le Père, vous savez ce que c'est que l'imagination, la raison est impuissante face à elle. Les mots, quand on les prononce, suscitent des images mentales.
Lorsque vous dites au nom du Père, il se crée dans votre imagination une image représentant un vieillard de millions de fois plus grand que l'homme ordinaire, mais ressemblant à un homme assis sur une planète avec la terre pour base et le ciel pour canapé. C'est lui le Père céleste, bienveillant. Et lorsque vous dites le Fils, Seigneur, à quoi pensez-vous? Vous pensez à un jeune homme, beau, blond, les yeux bleus, qui ressemble au héros des films, le roi des rois, Jésus de Nazareth, jour de gloire où Jeffrey Hunter joue le rôle d'un jeune homme beau, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, à la barbe séduisante, au nez non pas long mais courbé, ce qui peut susciter un certain type d'image dans votre esprit. Vous savez que Shakespeare a fait de Shylock un personnage très célèbre. Ainsi, vous ne pensez qu'à un type anglais ou allemand ou d'un tout autre pays du Nord et qui a le nez long. Voilà le Fils. Quant au Saint-Esprit, il ressemble à la colombe qui descendit du ciel pendant que Jean-Baptiste baptisait Jésus dans le Jourdain, ou à une flamme de feu. L'image n'est pas tout à fait claire, mais elle est là. Vous avez trois images religieuses différentes. Et quoi que vous fassiez, ces trois images ne seront jamais une seule et même image. Vous aurez toujours dans l'esprit trois images distinctes. Mais si l'on vous demande combien d'images vous voyez, vous direz une seule. Et ce sera un mensonge. Chers frères et sœurs, vous me mentez. Il ne nous reste que trois minutes. Monsieur Swaggart, la question que je vais vous poser émane de la direction. Nous autorisez-vous à donner une copie de ce débat à qui le désire? Deuxièmement, pourquoi ne nous avez-vous pas autorisé à diffuser le débat à la télévision? Troisièmement, nous avons proposé de diffuser ce débat à la télévision de la Mecque. Pourquoi avez-vous refusé? Honte sur vous. Il n'est pas digne de vous de dénaturer mes propos. Je n'ai pas dit « Dieu est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne » et que les trois sont une personne unique. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit il y a un Dieu unique et non une personne unique. Il me semble qu'on est en train de filmer le débat pour la télévision. Je vois 1, 2, 3, 4, 5 caméras. Et vous dites que le débat n'est pas filmé pour la télévision? On est en train de le faire, n'est-ce pas? Je ne comprends plus rien. Nous autorisez-vous à donner une copie du débat à qui le désire? Oui, bien sûr, à condition de ne pas faire de montage. Comme vous le savez, je connais les trucages de la télévision. Vous pouvez faire dire à quiconque ce que vous voulez en coupant et collant. Nous sommes experts en la matière, Monsieur Didat. Et j'ai confiance en cet homme. Regardez-moi, monsieur, j'ai confiance en vous. Mais je n'ai pas confiance dans tous ces gens que je vois. Et je demande qu'on signe une déclaration. Si vous voulez diffuser le débat à la télévision et emporter la pellicule pour l'exploiter, à votre aise, à condition que vous ne nous disiez où et comment le montage sera effectué. Je pense que c'est équitable. Pour notre part, nous ne souhaitons pas qu'on opère dans la pellicule un découpage susceptible de dénaturer nos propos. Ce serait immoral et injuste. Je pense que nous avons été tout à fait chrétiens, comme tout chrétien doit l'être.